Bonsoir. Bonsoir, ça va? Est-ce que vous passez une bonne semaine? Une bonne soirée? Qui veut un onion ring? Moi je veux bien, et moi ça va impeccable. Un petit coup de Fallout 4, parce qu'en fait, j'avais des problèmes avec Fallout 4, comme vous en souvenez, je pense, où les temps de chargement prenaient une bonne demi-heure, je pense. Et du coup, j'ai pu prendre un petit SSD. J'ai acheté un petit SSD de 140 Go. J'ai pu y foutre uniquement Fallout 4. Vu la taille du truc et vu la taille des mods, je peux mettre que ça dessus pour l'instant. Mais ouais, la joie des mods, ouais, carrément. Hein. Mais du coup, on peut recommencer à jouer. Et donc ouais, ce que je disais à Funeral tout à l'heure, je crois que je l'avais déjà dit en stream d'ailleurs. On essaiera un dimanche, peut-être, donc pas celui qui arrive là, mais peut-être celui d'après. Et je sais, non même pas. Bah ce sera un dimanche un jour où j'essaierai de faire une chanson pour Robert. Ça se trouve ce sera en semaine aussi, on verra bien. Donc ouais, où je ferai une petite chanson, un petit thème pour Robert Kuhn. Et normalement j'essaierai de faire un truc un peu sale. J'ai des bons presets, tout marche bien, j'ai déjà fait les tests. Donc ouais, on essaiera de faire ça tranquille. Et puis voilà, en attendant, bah les couilles, si jamais Fallout 4 ça nous emmène pas jusqu'à la fin de la soirée, je ferai du Untitled Goose. Si, Untitled Goose Game. Faudrait peut-être qu'on essaie de le finir à un moment. Mais pour l'instant, place au gaming, place à la bonne humeur et place à la nouvelle maison. Dab. Salut Momo. Donc c'est la nouvelle maison, on est à Red Rocket. J'ai déménagé machin là-bas, là je me souviens plus comment ça s'appelle. Voilà. Voilà mon petit camp. God is dead. Normalement tout va bien, normalement j'ai bien, il y a pas de trou, normalement j'ai fait mon petit camp avancé. Faut pas regarder ça. Ça c'est normal. Normalement tout va bien. Ouais, je me suis barré de Sanctuary quand même, parce que ça me commençait à me casser les couilles à Sanctuary. Donc voilà mon petit camp. J'ai même des chiottes. Ah, comment je vous ai bien enculé là. En fait, je vais pas du tout jouer à Fallout 4. C'était juste pour faire ça. Ouais. Yes, trop facile. Non, pour de vrai. Voilà, on a le vrai camp et... Et un des nouveaux modes, c'est de pouvoir avoir nos propres tableaux. On peut avoir nos propres tableaux. Du coup, ça a été mon... Bon, j'ai Shrek, mais ça, c'était dès le début. Il y a aussi des morts. D'ailleurs, j'ai foutu des morts littéralement partout. Mais voilà le premier tableau que j'ai mis. Et voilà le deuxième tableau que j'ai mis, forcément, Pips. Là, c'est tout le matos que je veux mettre. Je l'ai pas encore déménagé, mais faudrait que je mette tout le matos. Donc, on a Pips. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis 2-3 trucs. J'en ai plein d'autres, des tableaux, hein, qu'on découvrira au fur et à mesure. Mais voilà le petit camp pour l'instant que ça nous fait. J'ai les trois Power Armor qui sont ici. J'ai tout viré. Hein. J'ai tout viré de Sanctuary. Il y a des gens, je crois, littéralement pendus partout. Attends, regarde, si je regarde ici. Ouais, il y a quelqu'un ici de pendu, il y en a un mort là, et je crois, oui voilà, il y a 2-3 personnes qui sont pendues, qui sont sur des pics, un petit peu à la Berserk en fait. Salut Marian, ça va mec? C'est infiniment mieux que Randy Savage et Cage, bah ouais. Attends, parce que je crois qu'on les a encore, quoi que ça se trouve, je les ai pas encore. Je les ai plus, mais on a quelques autres tableaux, je vais pas tous les montrer quand même, on va se garder un petit peu de surprise quand même. Donc ça c'est des trucs un peu normaux, ça je les ai pas rajouté, attends, on va le foutre, attends, faudrait trouver un endroit où on pourrait le foutre, tiens regarde, on va en foutre un là, un des nouveaux que j'ai, d'accord, ça c'est pas moi non plus, je suis toujours en train de lâcher les caisses d'ailleurs, hein. Un petit chat, ça c'est encore des petits chats, un petit chien, un petit élan, un petit champ de coquelicot. Ah, ça commence à être nous, ça commence à être nous.
Il y a ça, donc il y a ça évidemment que j'ai rajouté. On a du fan art, on a du petit chat, on a voilà, on a. Vous connaissez ça? Vous connaissez? On en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Vas-y, pour l'instant, on va le. Pour l'instant, on va mettre ça. On va mettre ça là. Oh mec, ça m'encule. Ça m'encule derrière. Voilà. On a ça et donc on a toujours. Toujours notre perso, hein. Il est là, il va bien, il a aucun problème. Je l'ai pas amélioré depuis. J'ai juste une nouvelle armure, mais sinon j'ai rien changé. J'ai rien changé au perso. Donc voilà, j'ai juste une armure synthétique, je crois, de dessus. Ah si, j'ai un nouveau truc aussi. Attends, Pampas Gloves, ouais, je me souviens plus. Comment ça, c'est une femme? Bah oui, ça a toujours été une femme. Vous êtes con ou quoi? Et j'ai aussi une nouvelle arme, et il fallait d'ailleurs que je l'améliore. J'ai un calibre 50, j'ai une Browning. J'ai littéralement une Browning dans les bras. Et je voulais l'appeler Momo parce que j'avais pas eu le temps de faire la dernière fois. Du coup, c'est fabriqué, je crois, il me semble. Ouais, allez hop, Momo, vu qu'il avait réservé une arme la dernière fois et j'avais pas pu lui filer. Et je crois qu'il y a rien à améliorer sur Momo, il me semble. Merde. Je crois qu'il y a rien à améliorer sur Momo. Si, il y a les receivers, mais pour l'instant, on s'en fout un petit peu. Et de toute façon, j'ai pas le niveau, hein. Ça demande 4 et 3, 4 et 5, ça va pas être tout de suite de toute façon, mais voilà. Voilà, la taille du truc dans tes pattes, non mais bien sûr. Ouais, bien sûr, mec, t'as vu le bordel. Et attends, parce que ça, ok, mais quand on prend Spider, attends, bouge pas Spider, je te prends. Voilà, c'est encore plus évident, j'avais jamais vraiment vu en fait la taille du bordel, mais regarde le bordel, est-ce que t'as vu la taille du truc? Merde, à chaque fois, je lance ce menu à la con, là. Ah, ça me saoule. Mais oui, les armes sont vraiment énormes. Et grosse quéquette. Ah bah oui, complètement. Donc, on a toujours... Ça, c'est Scholar, je crois. On a toujours Adwim, bien entendu. Voilà qui... Attends. C'est bon, le son est bien. On a toujours Spider. On a toujours Chubby. On a toujours... Ça, c'était qui, ça? C'était qui, mon car Calibre 50? C'était Lysander. Ça, on a Hoffman. On a... c'était qui, les X-Blaze, d'ailleurs, aussi? J'ai encore oublié. C'était Enculatrix. B-44, c'était une cuillère. Et Red Sun, c'est le point américain. Mais voilà, on a que ça, pour l'instant. 226 sur 300. Mon inventaire est quasiment vide, hein. J'ai que ça, mais j'ai tellement d'armes, en fait, que pour l'instant... Tu sais quoi? Je vais foutre... Je vais foutre Lysander au mur. Et comme ça, on va pouvoir avoir un peu plus d'espace dans l'inventaire. Petite cuillère de combat, let's go. D'ailleurs, tu peux enlever Enculatrix, s'il te plaît. Ben non, trop tard. Mec, trop tard. Franchement, Apo, comme on fait son lit, on se couche, mec. Hein. Comme on fait son lit, on se couche. Tu peux modifier la cuillère. Je crois qu'on peut... attends, bouge pas. Tu vas juste fermer ta gueule juste avant. C'est quoi déjà les trucs pour foutre? C'est les... Non, pas les abris, c'est les... c'est dans les décorations, je crois, mais c'est dans les expositions. Présentoir d'armes. C'est quoi ça? Oh, c'est des armes pré-montrées, en fait. Comme la salade pré-montrée. Non, c'est des présentoirs d'armes qui existent déjà, en fait. J'avais foutu ça. Alors, présentoir d'armes, on va foutre ça. Je sais pas. J'ai envie de foutre Lysander à un endroit où il sera valorisé. Tu vois ce que je veux dire? Tiens, je vais foutre contre les chiottes. Je vais le foutre là, derrière les chiottes. Il est où, Lysander? Il est là, Lysander. Voilà. En plus, il est minuscule, voilà, impeccable. Et donc, voilà notre nouveau petit chez nous. J'ai des tourelles MG42 de chaque côté. Ah, celle-là ne marche pas. Mais ça encore, c'est pas grave, on a quoi? On a Kill Me, on a 4, qu'est-ce qu'on a? Beat. Mais je crois que j'ai plus ou moins montré tout. Mais la cuillère sur le présentoir d'armes. Attends, je voulais voir si... No Camis, God is dead. Je crois que j'avais dit un truc à propos des homosexuels à un moment aussi, mais j'ai enlevé. Oui, on peut la remplir. On peut foutre une lame dentelée sur la cuillère, mais c'est tout. Elle fait 47 de dégâts, mec, hein. Elle fait 47 de dégâts, attends. Elle fait plus qu'une balle de Momo. Mec, elle fait 11 de dégâts de plus que Momo. Qui est du calibre 50. Oh,
mec. Et oui, j'ai 2000 balles de points 308 aussi. Alors, du coup, le délire, c'est que la dernière fois, on avait fini l'aventure principale de Fallout 4, et maintenant, il nous reste les DLC à faire, parce que c'est ce que vous m'aviez dit, que vous préfériez faire l'aventure principale au début, et ensuite faire les DLC pour pas que je me lance dans quelque chose voilà, en plein milieu de notre bordel. Donc, il va falloir qu'on trouve les DLC à faire, donc on a Nuka-Cola, c'est ça. Je crois que c'est vraiment deux grosses trames, Nuka-Cola et Far Harbor, et je crois que c'est les seuls qui ont vraiment une histoire, donc qui ont vraiment une trame, il me semble, non? Ou alors il y en a d'autres, parce que je me souviens même plus en fait, parce que l'abri 88 là, c'est celui qu'on peut monter nous-mêmes, mais ça pour l'instant on s'en fout un petit peu, j'ai pas envie de forcément. Y'a Terminator les mecs. Terminator. Tu peux commencer par Far Harbor, s'il te plaît, j'ai pas fait les autres. Ok, c'est ce que je pensais, j'allais commencer par Far Harbor, mais c'est quoi, c'est un gars de la Brotherhood, ça? Michel? Moulala, il bouge pas. Hein. tu t'approches pas, mec, ça va? Est-ce qu'il a pareil que moi? Oh, il a un Spider aussi. Il a un Spider aussi, mec. Oh, c'est chaud. Je viens de réfléchir, mais le mec en Kawé, là, le pain... Comment t'es gris, Kawé? Il apparaîtra random, non, ça veut dire que la bite sera pas tout le temps planquée. Je pense pas qu'il va apparaître random, parce que ça rajoute des nouveaux tableaux en fait. Je sais pas si t'as vu quand j'étais en train de scroll, mais ça rajoutait, enfin c'était des tableaux qui sont rajoutés, il me semble. Mais attends, c'était pas là ça? Non, si, ça a toujours été là ça? Non, je sais pas. Salut BHL, ça va depuis le... Depuis ton débat, si tu t'en es pas pris trop plein la gueule. J'ai vu des mecs quand même sur Twitter, ils étaient tellement dégoûtés de voir BHL passer à la télé, qu'ils étaient du côté de Zemmour. C'est vraiment la peste et le choléra, le bordel. Et je sais pas, justement, je vais rentrer là-dedans pour voir, parce qu'il y a un tableau ici, et je vais voir justement si ce tableau-là, c'est un des tableaux, un des nouveaux tableaux, mais je pense pas honnêtement, parce qu'il y a déjà d'autres tableaux. Ouais, ça m'intéresse pas. Tu vois, regarde, c'est des petites montagnes, donc ça va en fait. Ça les mecs, regarde ma vie. Tirez-moi dessus. Bah déjà ils arrivent pas à me tirer dessus, mais ma vie ne descend pas en fait. Voilà, c'est bon, je l'aurais juste défoncé un poteau. C'est tout. C'est cheaté. Mais mon personnage est complètement éclatax. Je pense que c'est pas possible. C'est pas possible qu'il meure. Et oui, c'est des pillards du début, mais sur Fallout 4, il y a du level scaling, non? Donc là, les pillards, ils sont plus ou moins à mon niveau, je crois, non? Il me semble. Je crois que c'est pas des zones de... C'est pas des zones de niveau, mec, hein. Donc, à mon avis, si eux, je passe à travers... Putain, mais c'est encore long, en fait. Donc là, je vous rappelle que j'ai installé le jeu sur SSD, hein. Là, voilà. Donc, le temps qu'il a mis là, c'est le jeu sur SSD. Alors, imaginez si je l'avais laissé sur disque dur normal. Et en plus, j'ai viré quelques mods... Histoire de justement réduire un petit peu le temps de salaison des filets de morue. Alors bouge pas, maintenant qu'on a fait tout ça, alors il me reste d'ailleurs plein de quêtes hein, à faire, il nous reste tout ça à faire quand même, mais il me semble, donc la radio familiale de Nuka-Cola, ça c'est bien l'autre quête Nuka World, mais donc citoyen modèle c'est l'abri 88, et ça on s'en bat les couilles, ça m'intéresse pas. Find the Vault, je sais pas ce que c'est. Parler aux habitants, je sais pas. Loin de la maison, je crois que... Oui, Far Harbor, du coup, il me semble que c'est... Le début de cette mission, c'est parler à Ellie, voilà, loin de la maison. Et elle est où, Ellie? Elle est là-bas, je crois. C'est ça? Hormis les one-shots aux roquettes ou de mines, tu crains rien, là. Ben ouais, et de putain de rataupes. Et de salopes de rataupes. Donc, Ellie... C'est elle, Ellie, là? Qu'est-ce qui est fou, là, Ellie, là? Elle est... Mais ouais, on verra de toute façon, mais pour l'instant, laissez-moi me réacclimater. On est niveau 37 d'ailleurs, je crois que j'ai gagné genre 5 niveaux juste à construire le camp, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même des techniques assez avancées de leveling et de leeching, où tu construis littéralement juste des potents en bois et ça te fait level up, mais je l'ai pas fait, mais je pense que c'est pour ça que j'ai gagné autant de niveaux. T'as buté Swan? Oui, j'ai buté Swan, ouais. J'ai buté Swan, ouais, les ratopes qui ont des mines, c'est franchement des sales putes, c'est franchement des sales enculés. Mais elle est là-bas, Ellie? Pourquoi? Mais c'est pas ça la quête? Si, attends, mais il me semblait que moi la quête, il fallait qu'on aille genre là-bas là. Qu'on aille dans ce coin là, non? Qu'est-ce qui est fou là?
Si, si, c'est bien ça. Ah bon, d'accord. Bon, bah, je me souvenais pas, alors. Non, bah, c'est moi. Mais je crois que j'étais allé directement à la maison. Faut le sentir... Bonjour. Sarcastique. J'ai toujours mon chapeau, j'ai toujours la classe, et j'ai toujours l'amour du risque. Pas grand chose d'autre à offrir que de bonnes vieilles capitales. Bref, le client est un pêcheur sur la côte. Kenji Nakano. Nakano. Par contre, tu m'as viré de mes sous-titres, en fait. Tu m'as viré tous mes sous-titres, en fait. Les détails sont assez flous. Ouais. Je n'arrête pas de vous dire de prendre des notes, Nick. Vous vous regardez jamais quand vous quand vous parlez. Très drôle. Vous niquez dos à dos aussi. La prochaine fois que je devrais consoler. Ça vous dérange si je vomis? Je pense qu'il serait judicieux que je vomisse. Tout sur place. Mais si vous c'est Simploma95 ton perso. J'ai aucune idée de qui est cette personne, BHL. Ou cette chose, je sais pas, de quoi tu me parles, en fait. Je vais mener mon on s'en fout. Oh la vache. Oh, elle sourit. Elle sourit. Elle a souri. Le Simploma95. Ah d'accord. Il me semble pas, mais elle en a bu en tout cas. Elle en a bien bu. C'est comme ça qu'elle fait les margaritas, en fait. Ok, je peux me barrer. Par contre, je vais essayer de remettre les sous-titres. Je sais pas pourquoi ils se sont barrés, en fait. Sous-titres, dialogue. Ben oui, pourquoi ça m'a viré les sous-titres? Qu'est-ce que c'est que ce Potakwek? Vous voulez qu'on change la couleur du Pip-Boy? Eh, venez, on change la couleur de la TH et du Pip-Boy, on met quoi? Eh, venez, on met quoi? Venez, attends. La TH, c'est ça? Ouais, ok. On met quoi comme couleur? Ouf. On peut pas avoir un mod qui genre cycle en permanence les couleurs? C'est quoi si je fous tout au max? Ça fout en blanc? C'est de la merde. Rose, rouge. Rouge comme le communisme. Bah attends, je vais mettre un entre les deux, en fait. Regarde. Comme ça, oula. C'est pas vraiment entre les deux. Attends. On va faire en sorte que ce soit pas trop visible si c'est rouge ou rose. Oh la vache, on voit que dalle. Orange propre. Attends, est-ce qu'on peut pas mettre un violet bien... ouf. Comme ça, là, on met comme ça. Est-ce qu'on met... Tu veux pas foutre de l'RGB aussi, connard? Il faut savoir que Momo adore l'RGB, donc n'hésitez pas si jamais vous avez des cadeaux à lui offrir. Offrez-lui de l'RGB. Il adore tout ce qui est la RAM en RGB, les claviers RGB, les CPU RGB, tout en RGB. Il voit en RGB, quoi. Ok. Et du coup, on voit bien... Ah, on voit un PK... Oh, l'horreur. D'ailleurs, j'ai changé aussi le Pip-Boy. Je sais pas si vous pouvez voir très nettement, mais il est tout pété de partout, en fait. Il est un peu éclataxe, et j'en ai d'autres qui attendent d'autres mods, qui attendent de Pip-Boy... De Pip-Boy un peu custom aussi. Il est adorable, ce chien, là. On dirait pas comme ça, hein, mais il est adorable, ce chien. Ça va, bibou. Tu vas, bibou. Ok. Allez, on se casse. Top. C'est beau, hein. Moi, je préfère quand on voit moins bien, moi. Honnêtement. C'est plus pratique. En quoi on va commencer Far Harbor? Je me souviens plus tellement de ce qu'il faut faire sur Far Harbor, mais je me souviens d'un truc. C'est que j'avais galéré la première fois que j'étais arrivé. Genre, les ennemis étaient très très balèzes. Et je me faisais souvent éclater le cul. J'ai entendu un chat. Attends, j'ai entendu un chat. Mec, le timing m'a enculé. Mais ta gueule, le timing il m'a pulvérisé, mec. Il m'a pulvérisé. Il est où le chat là? J'ai entendu un chat. Je veux tuer un chat. Il est où? C'est le signe du destin, non mais mec. Le destin, l'intestin. Important. Oui, j'ai aussi des MP40, mais je vous rappelle qu'on avait testé la MP40 et que c'était de la merde. Donc ça m'intéresse pas de recommencer. Merde, j'ai entendu un chat, mais. Mais si! Il est où, Mister Miam Miam? Miam Miam! Miam Miam! Il est où? Miam Miam! Miam Miam! Il y a des portes ici, en fait! Ah, mais c'est chez des gens ici, en fait! Arturo! C'est quoi? C'est où ici? Ça va, Arturo? Et non, t'es pas. Arturo? Ça va, Arturo? Ça va, Arturo? Impeccable. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oh, non. Elle va parler, la salope. Voilà, c'est bon, bouffe-la, c'est bien, mon chien. Est-ce que ce serait pas sa fille que tu viens d'éclater? Oh, un mini-nook. Attends, je crois qu'il vient de bouffer sa fille. Oui. Mon chien a mangé un enfant. Voilà, on va mettre là, c'était pas nous, hein. C'est pas nous, on va juste prendre sa thune, voilà. C'est rien, personne n'a rien vu.
Mini Nuke. Spooky, scary, skeletons and shit. Qu'est-ce que c'est que cette merde ici, là? Mais c'est horrible. C'est la chambre de ta fille, ça? Mais t'as pas honte? T'as pas honte? Ça, c'est mon cosplay pour Halloween. Ça, c'est Momo. Ça, c'est Spider. Et il y avait Poons, là, qui ressemble à rien. Elle a éclaté la tête de son père avant de se donner la mort, je te jure. À coup de fusil anti-matériel chinois. Elle a foutu la crosse sur le sol et elle a appuyé avec son doigt de pied avec le canon sous la tête. Elle a... Stratosphère. Je suis rentré, c'était déjà comme ça. Spider est toujours en super belle en princesse. Oui, ouais, c'est exact. J'ai même tout un set d'épée de princesse et un bouclier ici. Je vous l'ai déjà fait écouter en plus, je crois, mon épée. Parce que j'ai une épée qui part, en fait. Et c'est assez important. Bon, les temps de chargement sont toujours longs, mais... Mais enfin, ils sont tous devenus fous. J'adore ce truc. Non, attends, je vais recharger parce que du coup c'est un peu la merde. Je suis arrivé là, hein. Parce que sinon c'est la merde. Je suis tellement immortel. J'avais encore tué personne. C'est bon, on peut se barrer. Comment ça, ça a peur de se crocheter? On s'en bat les couilles. Ah, regarde, ah, un Terminator Lidl. Un Terminatron. L'enregistroscope. Mais non, mais j'ai rien fait là. Hey, j'ai rien fait là. Mais j'ai rien fait. Mais pourquoi j'ai rien fait? Mais je suis juste rentré par effraction chez quelqu'un. Ça va tout le monde? Bah je suis désolé, mais je vais commencer. Je crois que c'est mon chien, il est en train de se manger tout là. Courez, courez, ils sont devenus fous. Ils ont chopé la fièvre rafteuse. Je sais pas quoi là. Les H1N1, c'est H1N1. C'est Zika. Un Terminatron. Le Terminoscope. L'enregistroscope. Ebola. C'est dans quoi déjà? C'est dans quoi qui gueule? Al-Qaïda. Merde, je crois que c'est dans le film Postal. Ou alors c'est dans le premier Hypertension. Non, c'est dans le premier Hypertension. C'est dans le premier Hypertension où il est en taxi. Et le mec du taxi lui dit hey, tu me dois la thune pour le voyage, tu me dois la thune pour le voyage. Et il le balance au sol, il fait Al-Qaïda. Et il y a tout le monde qui pile up sur le chauffeur de taxi qui est à moitié rebeu. Par contre, si tu pouvais charger encore, je vous le rappelle encore une fois, je suis sur SSD. Voilà. Ceci est un SSD. Et voilà, Fallout 4. Super ton SSD, je sais mec, mais ça vient pas de mon SSD poteau hein. Là ça vient de Fallout hein. Salut Tadjin, ça va mec? Mais à chaque fois, de toute façon, qu'on apparaît à Boston, c'est toujours la merde comme ça. J'ai rien de plus rapide. Si, je pourrais prendre un M2 en NVMe. Mais au moins, on a de la musique, oui. Mais on n'a rien d'autre. Hein. J'ai mis la scène sur Discord. Tiens, tu sais quoi, je vais aller checker Discord pendant qu'il fait n'importe quoi le bordel. La scène, le truc avec... Ah oui. Merde. Ah, mais on l'entend pas. Si, ça va, on entend. Ah, et bah voilà. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je suis un gros connard. Oh la vache! Ah oui, non. Putain, et mon cleps. Mais attends, ils sont tous super balèzes ici. Qu'est-ce que c'est que ce bord? Il en reste un. Attends. Oh merde. C'est rien mon chien. Vas-y, occupe-toi. Merde, je viens de buter mon chien, c'est pas grave. Ils sont tous fous ici, mec. Ils sont tous fous. De vous. Même quand... Oh c'est chaud. Oh merci pour le resub Hades. C'est la merde mais merci pour le resub. Ouf. Oh putain je l'ai enculé. D'ailleurs il est où mon fusil de chasse? J'ai plus de fusil de chasse moi. Il me semblait que j'avais un fusil de chasse à un moment. C'est quoi déjà les... Ah ok. Les quick boutons. Ça va mon chien? C'est bon il va bien. Il est en train de recracher une boule de poil. Ça marche comme ça, c'est un peu comme une chouette en fait. C'est quoi ce bruit?
Attends, il y a eu... Attends. Il y a eu une explosion nucléaire, et ensuite j'ai entendu un bruit... Ah putain, c'est le... Ah, ta gueule. Pourquoi j'ai entendu... J'ai vu une explosion... Il est où mon chien? Ça va? Non, non, Steampack. Non, je m'en fous de lui, Steampack. Voilà. Au bout d'un moment, il allait falloir... Ah, c'est le... D'accord, c'est le camion qui a pété. Je croyais qu'il y avait eu quelque chose. Parce qu'en gros, à un moment, j'ai installé un mod pour avoir littéralement un comment ça s'appelle ? Un fauche-clan gigantesque qui se balade sur la Terre. Et je me suis dit, non, il faut pas que ce soit lui maintenant, parce qu'on va vraiment avoir des on va commencer à avoir vraiment des soucis, quoi. Mais oui, toi aussi, t'as entendu une espèce de cri de Godzilla, là ? On est d'accord, il y a eu un... Comme ça, là. Je sais pas d'où ça venait. Je sais pas qui a causé ça, je sais pas d'où ça venait, mais... J'ai toujours pas changé ça. J'ai rien changé. T'inquiète, j'ai rien changé. Y'a pas un mode pour balancer des bombes atomiques un peu partout quand tu veux? Si, si, ça s'appelle un Fat Man. Ça s'appelle un lance-roquette. Allô? Allô? J'en ai... Franchement, je vais péter un câble. Arrêtez de rigoler. Putain. C'est qui? Arrêtez de rigoler tous, là. Je sais même pas qui je suis en train de buter. Je vois juste du mouvement, je tire. Je suis un bon chasseur. C'est marrant, les proutes. Ouais, bah écoute. Hardware Town. Attends, parce que j'ai pas mon fusil de chasse. Non, ça c'est mon lance-roquette. Il y a deux armes qui me manquent. Attends. Les emplacements 6 et 7 sont pas notés. Du coup, Momo. C'est quoi déjà pour les faves? Q. Je vais le foutre en 5. Voilà. Et Redson. Bah si, pourtant. Ah non, il y est pas encore. Je vais le foutre en 6. Voilà. Impeccable. Fille-moi 6. Yes. Je vais prendre un petit steampack aussi. Parce que mine de rien, j'ai pris les dégâts. Ce HUD me fait vraiment mal. je sais pas si c'est que moi ou si c'est moi qui suis sensible ou quoi, mais le HUD commence vraiment à me faire saigner à l'intérieur. Hein. C'est pour tout le monde ou pas? D'ailleurs, est-ce que ça va au niveau de l'image? Est-ce que c'est assez net? Parce que je suis en 60 FPS. Pourquoi c'est si long? Non, ça va être... Bonne cible. Boucle-la un peu et attends. De quoi? Vous êtes complètement con ou quoi? Vous êtes où? Tour par derrière. Tu crois qu'on devrait aller voir du côté de la plateforme de chargement? Arrête tes conneries. On a deux gars postés là-bas. Et je t'ai pas dit de la fermer, hein? J'ai quelque chose. C'est quoi ce bordel? Attends, j'ai des gens qui parlent dans ma tête. C'est quoi le problème? C'est. Bah. Oh cool. Oh les mecs, ils ont fait un genre de garde-manger en plus. Oh, c'est super! Qu'est-ce que c'est ici? C'est Need Gap! Vous avez vu le film Need Gap? Je crois que j'en parle à chaque stream aussi, je crois. Need Gap. Oui, bah oui. Ah, bonjour? Non, c'est moi qui fais. À mon tour. Tac! Ah bah, yon! Mais qu'est-ce que vous faites ici? Bande de cons! Vous avez pas du boulot? Attends, je suis tombé. Du coup, mon chien a bouffé le deuxième. Ouais, c'est ça. File-moi ça, et d'ailleurs, file-moi ça aussi. Voilà! Mais du coup, le mode avec la bestiole géante, j'en avais un et t'as pas qu'un Deathclaw énorme dans le pack. Mais je sais plus s'il est toujours installé ou pas. Donc je suis un petit peu en suspensoir. Je suis un peu en suspensoir. Je vais prendre ça parce que c'est bien pour construire des choses. On a parlé un petit peu d'ailleurs du système de construction dans Fallout. Moi personnellement, je pense que c'est quelque chose qui... c'est bon, y a pas d'easy. Je pense que c'est quelque chose qui l'améliore, qui améliore grandement le jeu. Spider, lui, pense que c'est un petit peu un cache-misère et que c'est mal branlé. Je sais pas trop quoi penser. Je trouve que c'est plutôt plaisant de trouver des ressources, tu vois, pour construire du bordel. Après, c'est clairement pour nous détourner du fait que leur scénario il pue la merde, que leur gameplay est à chier, etc., etc. Mais non, je trouve que c'est plutôt plaisant quand même. Mais de toute façon, Fallout 4, comme tous les jeux de Bethesda, il faut juste les traiter comme ils sont, c'est-à-dire des plateformes de mode, et c'est tout, hein. Salut Slay, ça va, mec? Bonheur, joie et bonheur sur vous tous, je passe juste dire bonsoir. Ça, c'est très gentil, ça. Oh, ça, c'est très gentil, ça. Oh, ça, c'est très gentil.
Ah, ça c'est mal branlé, mais l'idée est bonne. C'est un cache-merde, mais un beau cache-merde. Apoc, je pense que t'as tout résumé comme il fallait là. C'est un cache-merde, mais un beau cache-merde, ouais. Salut Zelda, mec. Apoc, il y a d'hab en plus. Allez, allez, tu finis de charger. Allez. En plus, le fait que je sois en train de streamer, il augmente, il allonge encore plus le temps de chargement. C'est de la merde et j'aime pas. Yes, Momo! Yes! Salut Naito, ça va mec ou quoi? Comment vas-tu? Vous avez vu que Zelking, il a quand même le badge parce que ça a été un des first à sub. Est-ce que c'est pas quelque part une preuve de son de sa magnanimité? Sucez-lui tous les doigts de pied, s'il vous plaît. Allez! Je veux voir du suçage de doigts de pied pendant que le jeu charge. Allez, on suce les doigts de pied de Zelking et de Tajin aussi. Et de Tajin. Allez! Allez! Allez, point faible, trop fort. Et doigts de pied, ouais. J'ai été le seul à me faire offrir un sub et j'ai rien eu. Clodo, ouais. Oh putain, allez, charge, bordel de merde, mais pousse. C'est pas possible. Faudrait investir dans des SSD Ruru. Ah merci Naito. Ah, je vais essayer de commander un SSD alors. Espèce de sale connard. Putain, aimez-toi. Aimez-toi. Mais mec. Je vais péter un plomb. Je vais péter un câble. Vous allez me rendre raciste les mecs. Je vais devenir nazi à cause de vous. Hein. Vous savez, le truc le plus marrant en plus, c'est qu'il faut qu'on se TP là. Attends, quoi que, tu sais quoi, regarde. Elle est où, putain, mec, tout est noir, tout est rouge, tout est machin. On doit aller tout là-bas. On est ici. Et bah écoute, on est parti, hein. Pour un petit. On va se balader, donc il nous faut une chanson de balade, d'accord? Yes! Et allez, arrête de lâcher des caisses, putain. Ah. Ah, c'est quand même joli le Wasteland. Hein. Y'a pas à chier. Hein. Il est où le bébé? Allez, voilà! Ah oui, moi oui! Oh, moi oui! Ah! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un super mutant? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais y aller, hein. Je vais y aller, j'ai pas confiance. Je vais y aller, hein. Mec, je suis en train de me balader dans le 9-3. Mec, y'a des gens pendus partout, ouais, c'est bon, c'est ça, ouais. Bonsoir, ton SSD, c'est un NVMe. Non, c'est pas un NVMe, c'est pas un M2, c'est pas un NVMe, c'est juste un SATA. Donc forcément, vu que c'est qu'un SATA, j'ai pas beaucoup de place dessus, mais je pense que j'essaierai de prendre un M2, justement, dans pas longtemps, avec vraiment des vitesses de lecture de bâtard, tu vois. Après, il y a littéralement que sur Fallout que ça me pose un souci, quoi, et c'est parce qu'il est modé outrageusement, outrancièrement, mais sinon, ça arrive jamais, hein, mais bon. Ruru, si je viens à l'art tout plaît, tu me promets de pas me tuer. Franchement, on verra, mec, on verra. Si t'achètes un katana en plastique, pourquoi pas, tu vois. Mais sinon, on verra. On fait pas de promesses qu'on peut pas tenir. Pourquoi je cracote ici là? C'est quoi ici? Salut Luc PD, ça va? Celles-là elles sont cadeaux, hein, c'est juste pour vous, ça vous pouvez les garder. Hein. Attends, c'est quoi? On va foutre une petite radio dans le jeu, tiens. Qu'est-ce qu'on a? Radio Liberté. Radio Liberté? Attends, parce que là, c'est ça qui est radioactif, là, non? Attends, je vais peut-être faire le tour, du coup. J'entends pas là. Allô, Radio Liberté? Ta gueule. Allez, joue pas les timides. Mais je suis pas timide. Moi, je suis timide. Attends, je vais venir préférer la présentation, t'inquiète pas. Attends, j'arrive. Moi, c'est Nicolas.
J'aime bien les calibres 50. Et le cannibalisme. Vous êtes où? Eh hey, mec. Alors. Alors, elles sont où les présentations? Elles sont. Pierre Ménès? Ils ont tué Pierre Ménès? Qu'est-ce que. Non, je voulais pas le manger. Putain, je voulais sauter, je voulais pas le manger. Attends, il y a un Beretta. Short Beretta 470. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Un Beretta? Mais j'ai pas de Beretta, moi. Ah, mais c'est le fusil de chasse, d'accord. Ok, ok, ouais, on s'en fout. Finalement, on s'en bat les couilles. Lui, file-moi ce que t'as. C'est pas bon pour ce que t'as. Pour ce que t'as. Oh, Marsouin. J'ai pas rigolé. Vos gueules, j'ai pas rigolé. Non, j'ai pas rigolé. C'est vous qui avez rigolé, ça m'a fait rigoler. J'ai pas rigolé, ça me fait pas rire, moi. Ça me fait pas rire, je suis un adulte. Je paye mes taxes. Je paye mon loyer. Je rigole pas à des choses comme ça, moi. Je rigole pas des choses comme ça. C'est le meilleur ajout sur ce jeu. Je rigole pas, ça me fait pas rire. Par contre, j'entends pas la Radio Liberté. C'est quoi ce délire là? C'est quoi leur problème? Gopnik Radio. Voilà, là on est bon là. Attends, je vois pas mes niveaux de son là. Voilà. Ok, c'est bon, ça passe. Oh putain. Génial cette radio. On va tester un petit peu Momo. Si ça vous dérange pas. Always good to have a companion with you when you explore in the wastes. Many hands make for light work. Pourquoi ce cad il joue de la guitare à la radio? Qu'est-ce qui se passe? Il est où mon radeaway? J'ai besoin de mon radeaway. T'es moque pas, je m'entraîne, je l'accorde. Attends, je vais tester Momo sur lui. Oh la vache! Oh putain, mais il est génial ce truc! Par contre, niveau calibre 50, ça va m'en bouffer assez vite, je pense, mais Momo, il fait le boulot. D'ailleurs, c'est à ça qu'on le reconnaît. Hein. C'est une tourelle, ça? Mais non, c'est un chariot. Putain, la vache! Tu sais pourquoi elle a pété? Je pense pas que ce soit mon chien, c'est parce qu'il était en train de... C'est parce qu'ils ont fait pop le modèle dans un chariot pour faire genre c'est rigolo. Mais ils ont pas pris en compte le fait que les deux modèles allaient s'entrechoquer. Et je pense qu'elle a pété littéralement toute seule quand je me suis approché. Attends, je vais couper cette radio parce qu'en fait ça me fait peur. Voilà, donc tu vas fermer ta gueule, voilà. Pendant qu'on fait notre petit tour du Wasteland. Qu'est-ce que c'est des Caco Demons? Ah non, putain, c'est des... Eh hey mec, faut que j'arrête de jouer à Momo. Non, Momo, je peux continuer à jouer, mais d'ici, mec, je croyais vraiment que c'est des Caco Demons. Je crois... Est-ce que mon chien peut arrêter de phaser dans d'autres dimensions, par contre? Parce que ce serait vraiment agréable. Je crois que j'attends Doom Eternal un peu beaucoup, et du coup, ça commence à rentrer dans mon esprit. Mec, je vois... Je vois des trucs popper un peu partout, je sais pas ce qui se passe dans la ville, mais j'ai l'impression que le jeu est encore plus instable que d'habitude, en fait. C'est le Kosovo. Putain, c'est quoi ces énormes corbeaux, là? Ok. Direct. Bah oui, mais écoute, j'ai une Browning. Mec, j'ai littéralement une Browning à main nue. Salut, mec. Aïon. T'as pris un peu trop de balles, toi, je trouve. Par contre, il va falloir que je me fasse des munitions de calibre 50 parce qu'on va être vite à court. C'est vrai que j'avais buté tout le monde ici aussi, tiens. Hop, sur la pile de pneus. L'objet est trop lourd, bah oui. C'est un mec avec un couteau sur lui. Hop, voilà. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je crois que je suis quelque part, je suis vraiment psychopathe. Hein. Fais gaffe, tu vas voir Mick Gordon à chaque coin de rue, j'espère. Comment ça, fais gaffe? C'est tout ce que je veux, moi, dans la vie, mec. Voir Mick Gordon à chaque rue. J'ai vraiment hâte à Doom Eternal, rien que pour... Tu peux arrêter de lâcher des cartes. J'ai pas rigolé. Vos gueules. Mais tu sais quoi, quelque part, est-ce que c'est... Quel gamin? C'est la vie que j'ai choisie, quoi, donc... Et j'en ai pas d'autres. Donc je fais ce que je peux. Attends, mais c'est là-bas? Mais attends, je passe par où, moi, du coup? Carte. Où est-ce qu'il vaut mieux que je passe? Ah ouais, non, mais il faut mieux que je m'éloigne de la ville, en fait. Pas besoin de passer par ce pont, là, voilà. Je suis adulte, nanana, bah oui, je suis adulte.
J'y peux rien, moi, si ça me fait rire les proutes. C'est quelque chose de très adulte, finalement. Je suis... Grâce à mon adultivité, j'ai réussi à me... À mon adultère, j'ai réussi à m'habituer, si tu veux, à ma propre... À ma propre... Celui qui m'a vu. Et niqué. Ah ouais, bah viens. Non, toi, viens. Non, toi, tu viens. Regarde. Tu viens. Ah, quel pédé. Attends, je vais en mettre deux droits. Tac. Tac. Ça va. Ah, il a muté, merde. Attends. Tu viens. Ah bah voilà. Comment il court. Ok, c'est pas vraiment ce que je voulais. Ça va. Bah oui, c'est chiant, hein. T'es coincé dans la géométrie. Eh, t'as pas... t'as pas TLC, toi. Énorme. Énorme. Oh, les petits hinches. Attaque, mon chien. Attaque. 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 Ah, il l'a fait phaser. Ah, attaque. 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 Il coupe. Putain, je l'ai éclaté. Il est complètement con, ce chien. C'est incroyable. Je suis dans l'eau. Il avait quoi? Je sais pas, j'ai pas envie d'aller dans la flotte pour voir ce qu'il avait sur lui. Ça va me saouler, je pense. Donc je pense que je vais plutôt continuer à me balader. À me balader. J'avais quoi ici? On the way. Et du coup, par contre, le problème, c'est que mon Desert Eagle et mon Momo prennent, prennent les mêmes types de munitions. Du coup, ça va être un peu problématique. Tiens, je vais utiliser un peu... je vais prendre un peu Spider, là. T'as, j'ai dans la tête maintenant, c'est bon, ça va pas partir. Ça va pas partir. Oh la vache! Vous l'avez les problèmes de framerate là? Vous les avez là? Bon, trouve une nouvelle arme là, je vais être dans le jeu, soit en arme, soit en tableau. Bah ouais, bah les nouvelles armes, je sais pas si on va trouver masse parce que là on a plus ou moins les plus grosses que j'avais DL. On verra en éclatant des pillards. Peut-être que des pillards niveau 35-40 ils vont pouvoir commencer à avoir des armes uniques. Mais c'est vrai qu'il va plus m'en rester beaucoup des armes uniques à nommer, mec, hein. Mais on verra. Mais sinon, ça passe bien. Le problème, c'est le problème du 60 FPS, c'est que vous allez le voir direct quand ça va commencer à laguer, quoi. Quand je regarde la ville, je perds 10 FPS, poto, regarde. C'est chaud un peu, hein. C'est chaud, Bethesda, un peu, hein. C'est chaud patate. C'est quoi ça là-bas? Est-ce que ce serait pas un mec avec un autre quête? Regarde là-bas! Un singe avec une noix de coco! Ah, mais il est en train d'essayer de la Dark Walkbar tout. C'est un pillard, ça? Bah... Voyons... Ça va? Il est où? Il y en a un autre, j'ai entendu un autre. Ah, il est au-dessus. Attends, faut que je change, je suis désolé. Hein. Je suis désolé, les copains, mais ça va vraiment pas le faire. L'affichage, là, parce que je vois que dalle. Mon Pip-Boy, il faudrait qu'il soit vert. Vert, c'était bien, mon Pip-Boy vert. C'est quoi, on fout le Pip-Boy en noir? Ça fait quoi si je fous le Pip-Boy en noir, d'ailleurs? Et la TH, je vais un petit peu... Je vais le calmer un peu, parce que là, ça va pas le faire. Je déso, hein. Déso, pas déso. Bah, si pas déso, comme on dit. Attends. Est-ce que je peux... Faire juste... Voilà, un petit rose, un rose pâle. Un rose pâle, d'accord? Voilà. Avec les abonnements pour 76, ils vont pouvoir optimiser leur moteur. Est-ce que t'as... Mec... Non mec, ça m'éclate, quoi. Du coup, je vois... En même temps, je sais pas vraiment à quoi je m'attendais. Je dois t'admettre. En même temps, je dois t'avouer, c'est peut-être un petit peu... Il y a plus de batterie. C'est peut-être un petit peu mon problème. Tu sais quoi, je vais le foutre en saumon. Parce que je trouve que c'est quand même une jolie couleur. Pas du tout. Je crois que ça se fait à peu près comme ça, le saumon. Faut que je baisse un peu le vert. Voilà, regarde. Oh, ouf. Ça, c'est un joli tarama. J'appelle ça la couleur tarama. C'est les scolaires, ça, mec. Regarde. On fout le... Oh, regarde, un joli tarama. Est-ce que c'est pas joli? Avec notre personnage, je vous rappelle, qui est la plus belle du monde. C'est vraiment dérangeant, hein.
Elle a un physique dérangeante, Roberta Chan, quand même. Elle a un physique qui est... En fait, je sais pas si ça vient forcément du physique ou du fait que l'armure synthétique, ce soit une cuvette de chiottes, en fait, qu'elle a autour de la gueule et autour des jambes. Tu vois ce que je veux dire? Depuis quand? Mais pourquoi de cul... Mais vous avez quoi depuis le début? Mais ça a toujours été une gonzesse, notre perso. Pourquoi tout le monde hallucine, là? Je comprends pas. Je peux voir ça? 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 Faut que tu prennes un SSD, Russiane. Ce qu'il y a dur, je vais venir te manger les couilles. Je vais venir te manger les couilles. Et pas comme t'aimes, hein. Je vais venir... Non, pas de X parenthèse. Pas de X parenthèse. Mais non, ça a toujours été Roberta Chan. De quoi vous parlez? Mais de quoi vous parlez tous? Mais de quoi vous parlez tous? Est-ce que vous auriez tous attrapé le guet? C'est incroyable, ça. C'est Roberta Chan. Avec ses gros chombles. Qu'est-ce que vous foutez, vous? Qu'est-ce que vous foutez? Bande de cons. T'es un minuteman, toi, non? Tac. Et qui le prochain? Tac. Ah, faudrait que tu commences à bouger, toi. Le temps de... Comment on dit? Le temps de latence, c'est pas ça, encore, hein. Et bah voilà. Oh non! Petit bébé, regarde! Petit bébé! Comme le jus d'orange, le minute même. Ouh, de l'orag. Il y a de l'orag partout. Vite, on va s'abriter dans cette maison. Ah, home sweet home. Je vais prendre un petit bain. Ça vous dérange pas? Mon précieux. Il me l'a envolé. Il me... Mais... Oh merde, c'est un con ici. C'est pour ça qu'il a pété. Ah merde, je croyais que j'étais paumé dans la pampa, moi. Mais non, c'était un camp avec des gens. Bon, je sais pas, moi. C'était pas moi tout à l'heure qui a fait, je sais pas quoi d'ailleurs. Tu lui as décampé? Bah non, mais déjà il partait, donc les gens qui partent, c'est les traîtres. Donc quelque part, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Oh. Attends, il pleut. C'est quoi ce bordel? Là il pleut pas? Là il pleut? Qu'est-ce que c'est? Into each life, some rain must fall, but too much it's... Oh la vache, putain, ça tombe vite ici! Mec, c'est Astérix et c'est quoi? Non, c'est pas la grande traversée? Non, c'est laquelle où il va en Angleterre? C'est pas le secret... Non, c'est pas le... Non, je sais même plus du nom... Quand il va voir son cousin anglais. Mec, c'est n'importe quoi. Le jeu, il est au sol. Je vois rien en plus avec leurs effets atmosphériques, là. Oui, c'est chez les Bretons, je suis con. Astérix chez les Bretons. Le brouillard tombe vite dans cette saison. Ouais, chez les Bretons, ouais. Et d'ailleurs, la dernière fois, je parlais de... sur le stream de Vice City, lundi, je parlais de Astérix et Obélix et au service de Sa Majesté, qu'on avait maté avec SCAD, et qu'on avait... voilà, quoi. On était tous devenus un peu plus dépressifs après. Et j'ai regardé le trailer pour me remettre un petit peu dedans. Le trailer, il est encore plus éclatax que ce que vous imaginez, franchement. Je sais pas qui je suis en train de buter, en fait. Où est-ce que je suis, là? Attends, je vais buter des gens juste histoire d'avoir quelque chose pour parler. Tap, je viens de tuer une musulmane. Hop, je viens de tuer un soldat. Elle est pas morte. Ah, c'est bon. Mais ouais, j'ai regardé le trailer et il est vraiment enculé de rire, mec. Hein. Il y a rien qui tient. Il y a plein de personnages. Tu te demandes ce que c'est, ce bordel. Il y a le personnage de Les Beaux Gosses. Vous l'avez vu, le film Les Beaux Gosses? Je crois que j'en ai déjà parlé. C'est un film qui a été tourné à Rennes. Et merde, je suis en train de claquer, là. Et c'est un film rigolo, tu vois. Mais le personnage, c'est un peu un loser. Je suis en train de lâcher des caisses. Et le film, il est tout éclaté. Il y a rien qui tient. Ça prend 60 BD d'Astérix en même temps. Enfin, c'est pitoyable, quoi. Le film est vraiment pitoyable du début jusqu'à la fin, quoi. J'ai jamais vu Au service de Sa Majesté à la télé. Non, j'ai vu Au service de Sa Majesté à la télé. Ah, c'est chaud, mec. Non, mais on l'avait maté SCAD, mais franchement, je regrette. Hein. Franchement, j'avais préféré quand on avait maté Buried avec Ryan Reynolds. Vous l'avez vu, Buried,
Avec Ryan Reynolds. Avec Deadpool. Et c'est un film de ouf. C'est un film de ouf. C'est un film qui se déroule entièrement dans un cercueil. Et il est vraiment super intéressant. C'est pas forcément le film qui va à 100 à l'heure, hein, comme vous avez pu le constater. Mais c'est vraiment un film super sympa. Ouais. C'est pas un huis clos, c'est un 4 planches. Ouais, voilà. Membre de la Forge. De quoi? Bah oui, c'est nous. Mais t'es qui, toi? Comment ça, connard? Mais on fait partie. Mais vous êtes tous cons, quoi. Mais les gars, membre de la Forge. Eh, mais les gars, on est chez nous. Qu'est-ce que vous faites? Oh, une lance-flamme, c'est trop mignon. Oh putain, il m'a éclaté les membres, c'est trop mignon. J'arrive pas à me soigner, c'est trop mignon. Ah. Ah merde. J'aurais dû prendre un Dream, c'est... mignon. Allez, c'est tipeur, sauvegarde rapide, c'est pas grave. Un crash, c'est trop mignon. Et de 1, ouais, comptez-les s'il vous plaît, comptez-les, ouais. Comptez-les poubelles. Ah putain, Bethesda. Je sais pas pourquoi je surkiffe la musique du menu de Fallout 4, parce que c'est la seule musique qui est bien dans tout le jeu en fait. Parce que les musiques qu'ils ont récupérées, enfin les musiques de la radio, c'est les musiques qui ont été récupérées à Fallout 3, déjà, ou c'est pas les leurs. Les musiques d'ambiance, c'est les musiques elles sont arrivées là en fait, elles sont arrivées un matin sur le bureau de Todd Howard sur une clé USB. Il a dit, wow, this just works. With the Bethesda Creation Club, who's laughing now? Et voilà, il avait une soundtrack quoi. Mon chien, dis donc, les membres de la Forge. Allez, on refait les blagues qu'on avait fait. Eh, dis donc, dis donc, c'est à la Forge, ici. Mais c'est nous, la Forge, de base. Nous serions donc, des substituteurs. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 5 cris en même temps dès qu'il y a une bagnole qui explose, ici. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a des mecs qui font des covers au piano, poteau, c'est tellement lourd et épique, j'en ai les pages-feux qui se padressent. Ah, oh. Mais arrêtez de me cramer, moi. Du don. Qui c'est qui fait mal? C'est toi, là? Vous avez remarqué que c'est la même usine qu'il y a dans Boston? Ils ont fait de la grosse réutilisation d'assets, mais c'est dégueulasse, quoi. Putain, je me suis en train de me faire cramer mon kleps. Tiens, je prends du psycho. Je crois que, d'ailleurs, mon personnage, si vous voyez, en fait, en bas à droite, il y a un symbole de pilule. Et ce symbole de pilule, je l'ai eu depuis quasiment le début du jeu. Et en gros, c'est parce que mon perso, il est complètement accro au psycho, et ça depuis le début, ouais. Il a une grosse addiction au psycho. Bon, écoute. Après, je le comprends, le mec. Putain, je vois que dalle. T'as vu, là... Je sais pas ce que c'est, une espèce de d'aliasing dans les God Race. C'est... Dis donc. C'est incroyable, ça. Ah, j'ai passé un niveau, alors j'ai rien branlé. Y'a plus personne. Bon, bah, on se casse, hein. C'est bon, hein. C'est chiant de débarrasser les assets. C'est super marrant, ce connard. Salut, pote chedou, ça va, mec? Quoi de feneux dans ta turne? Yo, yeah! It goes. Bon, alors attends, on est où, là? On devrait pas tarder à arriver, quand même. Je vais reprendre Spider. J'adore ce fusil. Je crois que c'est la plus belle arme qu'on a, en vrai. Je sais pas si c'est uniquement avec le skin qui est démentiel, ou le fait qu'elle fait 360 points de dégâts à chaque fois que je tire une cartouche, mais j'adore cette arme. Elle est vraiment super stylée. Et je pense honnêtement qu'à Far Harbor, on va galérer, les mecs. Hein. Parce qu'en gros, j'ai beaucoup de niveaux, tu vois, mais j'ai pas amélioré mon personnage de manière outrancière. J'ai pas des armures ou des armes de fin de jeu ou trucs comme ça, tu vois. C'est quoi ici? Tu penses que c'est radioactif? Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Hein. Le fait qu'ils prennent trois quarts de l'écran. Alors en fait, j'avais un mode avant. Vite, je suis en train de prendre des rades. Tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, j'y rêve de toi. Pourquoi j'ai dit penser à ça, moi? Oh yeah, macho man!
Ça ne me fera jamais pas rire. Franchement, ça ne me fera jamais pas rire. Oh yeah, the worst day of my life. Bonesaw is ready. Ce serait pas un filon d'or? Non, c'est peut-être de la petite mousse. Je pense que c'est une petite mousse. C'est quoi ça là-bas? Il y a un village. Ah non, c'est un hôpital. Je suis désolé, je vais passer un petit peu ce stream, je pense, à me balader, tu vois, à me balader. Histoire de reprendre mes marques avec Fallout. Genre, je suis plus habitué, tu vois. Et ah non, mais on est déjà passé ici, non? C'est le... machin, là. Les, voilà, Linwood. Aucune idée. Ok, on va aller à la quête, c'est bon. Worst day of my life! Chut! Couchez! Te couche, le chien! Y'a une caisse au milieu. Va chercher dans le truc dans la caisse. Non, c'est bon, c'est fermé. Va chercher dans ta caisse. Tiens, oh, des petits champignons. Des glowing fungus. Tonton Fungus! Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que j'ai avec l'âge de glace en fait depuis le début du stream, mais j'ai envie de mater l'âge de glace. Genre. Yon, y'a des machins là-bas, non? Est-ce que ce serait pas des constructions adéquates? Mais pareil, mec. Oh, my way. Oh, my way. Bon, écoute, on va aller faire la quête, on s'intéressera à ça. Ah, c'est quand même super intéressant, mais qu'il y a des lasers qui partent. Attends, qu'est-ce que c'est que ce délire? Des yaogwai. Yaogwai sombre. Voilà. Voilà, it goes. Oh la vache. Oh la vache, mais attends. Mais tout à l'heure, il me disait, oui, vous êtes pas assez fort pour porter ce cadavre. Je suis en train de porter un yaogwai par la tête, poteau. Oh, Dignity. Oh, oh. Mais attends, qui c'est qui a... Yagwa, man. Yagwa. We're gonna kill some Yagwa and things. Karl, tout doux, Frank. Il a anéanti notre belle salade. Mais c'est quoi, ici? Pourquoi c'est à 40 mètres? Qu'est-ce qu'on fout, ici, les gars? Ah, il y a une maison qui est cassée. Attends, venez, on va s'installer. Yagwa, man. Je me remets tous les Pixar et tout en anglais récemment. Franchement, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. C'est quoi ce bordel? C'est Riri. Ah, des Fangeux. Tonton Faujus. 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 Du Nuka de Cherry. Est-ce qu'on est d'accord quand même que le Coca-Cola de Cherry, ça a toujours été le Shaitan? Y a pas une personne ici quand même qui aime le Coca-Cola de Cherry. Je recharge. Et bah voilà. Oui, parce que je vous rappelle, Exterminator Desert Eagle Pistol. Oh la vache. Je vous rappelle quand même que notre spider là, il est automatique, hein. C'est pas, je suis pas en fait quand je fais ça, c'est parce que je le décide. Sinon je peux faire. Voilà. Par contre il y a du recul, hein. Mais c'est de l'automatique, hein. Je veux être un deagle, mais trop tard. On a déjà celui-là là. C'est déjà Scholar. Scholar of Mims. Il est déjà. Je veux grandir. Mais je ne peux pas ne pas rire, mec, c'est pas possible. C'est codé dans mes gènes. Quand j'étais petit, mon père, il faisait des blagues sur les proutes. J'y peux rien, d'accord? Comment il a rechargé cette... Est-ce qu'on peut... Vas-y, tu sais quoi? Vas-y, ta gueule. Vas-y, je m'en bats les couilles. Recharge ta calibre 50 comme tu veux, poteau. Enlève la manivelle et remets-la. Je m'en bats les couilles. Pourquoi il y a une manivelle, d'ailleurs? Ça sert à rien. Attends, j'ai un niveau à mettre. Ah bah j'ai 5 niveaux à mettre en fait. Qu'est-ce que je peux foutre? Scientifique. Fanadarme. Non, niveau 39 pour Fanadarme. Forgeron. C'est con, on verra après. On verra après. En fait, ça fait 5 niveaux que je dis on verra après. Mais il faudrait que je mette des points dans d'autres. Bah, le problème c'est qu'en gros, si je mets des points tout le temps dans les Fanadarmes et trucs comme ça, je vais jamais devenir plus balèze. Je vais pouvoir, ouais, certes, upgrade mes trucs. Mais ça va pas, sur le long run en fait, ça va pas vraiment m'arranger quoi. Salut PD, alors. C'est votre chemin. Il est Passez votre chemin. Ouais, d'accord. Oui, ok, je m'en vais. je. Ok. Oh. Ah.
ils ont enculé un chien qui passait. Mon gars, je lui ai foutu 10 balles, calibre 50, dans le visage. Il n'a pas bougé, le mec. Je sais pas c'est quoi son armure, mais je veux la même. Ça doit être une McLaren. Qu'est-ce que... Je suis bloqué. Je suis bloqué. Ok. Ah, c'est les murs invisibles. Mais attends, pourquoi je suis où, là? Mais... Quoi? Mais il est où, le truc? Mais... Attends, mais quoi? Mais il est con, ce truc, ou quoi? C'est où, la résidence du cul, là? C'est là-bas? Bah oui. C'est par là. Oui, faut que je continue. Ah, je sors de la carte, en fait. D'accord, ok. Ouais, je suis désolé, c'était pas évident. J'aime bien ce coin-là, en fait. L'espèce de... Comment les plantes là qui poussent dans le sable et tout. C'est très... ouais, ça fait très plage en fait. Ça fait plage irradiée quoi. Et c'est des trucs... On voit souvent des villes irradiées, des déserts, tu vois, post-apo et trucs comme ça. Mais on voit rarement des plages. Et j'aime bien voir ça en fait. Ça me rappelle un petit peu que... Bah ça ressemblerait à ça, la Normandie, si jamais on lui envoyait une nuque sur la gueule. Les belles plages normandes. Tu vois? Un gros nuque dans ta race. Pour le Mont-Saint-Michel. Si on nukait votre Mont-Saint-Michel, ça vous ferait bien chier, hein. J'aime bien, ça fait plage irradiée. Le Havre détruit à 95%, comme quoi ça suffit pas, hein. Comme quoi ils ont pas réussi à finir leur boulot, mec, hein. Il aurait valu lui envoyer Enola Gay, tu vois, elle fait un petit détour. Breton intensifies. Regarde, c'est pas joli ici, là. On en oublierait presque que c'est irradié partout. Regarde, on peut tremper les pieds. Hop, on peut boire l'eau salée. La bonne eau salée radioactive. Ça, c'était très très bon. Ok, regarde le petit chien en métal qui flotte. Regarde. Bip, 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 bip. Regarde, il est pas mignon, il est en train de vibrer en même temps. J'ai un message sur mon chien, bouge pas, je reviens. Ok. Regarde, et puis en plus, ils ont une petite maison. Oh, c'est trop mignon. Répondez, je sais que vous m'écoutez. Où est-elle? Où est ma fille? Jésus-Christ? Je t'en supplie. Ça fait des heures que tu hurles. Salut! C'est moi. Je m'excuse, mais nous n'avons pas le temps d'accueillir. Je suis en train d'acheter une caisse! Ou qui que ce soit d'autre. Oh, j'en ai marre d'être moi. J'en peux plus. C'est le pire stream du monde. Ok. Excusez-moi. J'ai souvent tendance à ignorer les mauvais présages. Maintenant que j'y pense, ça explique beaucoup de choses. Ah, bien ça. Trop marrant. Je vais garder ça sous la main. Merde. Putain, pourquoi pas? J'ai pas vraiment le choix. Roberta, elle est putain de terrifiante. Ah bah si oui. Elle est très terrifiante. Elle est bien plus terrifiante qu'un autre personnage qui serait mal, tu vois. Notre fille Kazumi adore réparer des choses. La radio était son dernier projet. Jusqu'à ce qu'elle entre en contact. C'est notre projet. Peur qui nous l'a prise. Elle est peut-être partie de son plein gré. Ouais. Ce n'est plus une certainement. Enfant, notre fille a 19 ans. Elle sait se débrouiller, elle est capable de survivre seule. Oui. Je pense qu'elle est partie. À 19 ans dans le Wasteland, à mon avis. Elle nous aurait dit. Je pense qu'ils sont les sorties. Parce qu'en fait, dans le Wasteland, quand t'as 19 ans et que t'es une petite fille de japonais, tu vois, t'as deux solutions. Soit tu deviens. Dieu. Soit tu te fais violer en boucle par des mecs qui ont des pneus sur les épaules. Donc écoute, à mon avis, tout va bien. Parlons argent. Les recherches de personnes disparues coûtent cher. Je refuse de négocier comme un chiffonnier. C'est la vie de ma fille qui est... 300 caps? Eh bien, écoute. Franchement, ça me plaît. 300 caps, franchement, c'est bon. Et si vous avez d'autres questions sur... Ça donnerait quoi, Roberta en homme? Je sais pas, mais ce serait dégueu, je pense. Ça va? Vous allez bien? J'ai vraiment envie de vous buter. Vraiment. Rien que pour le fait que... Pour essayer d'émuler le fait que vous soyez japonais, parce que l'engine et la création de personnages ne permet pas de faire des personnages japonais, ils vous ont juste fermé les yeux. Et rien que pour ça, j'ai envie de vous éclater. Vous êtes littéralement la représentation du racisme de Bethesda. Et je trouve ça incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Tu les buteras quand ils seront réunis. Ce qui est dur. T'es tellement méchant, tu vois. Je suis abasourdi. Oh, y a pas un poster avec une kékette ici qu'on rigole? Oh, mec. J'ai pas envie de négocier comme un chifoumi. Comme un chiffonnier, Chubby, espèce de glandeux. Comme un chifoumi. Eh, vous trouvez pas qu'on négocie comme des chifoumis ici?
Je pense pas qu'il va y avoir des posters avec des kékettes ici. Hein. C'est beau Bazourdi, c'est très joli Bazourdi en cette saison. Ouais. Moi je suis allé à Bazourdi au mois d'août. Et il y avait beaucoup de touristes, mais c'était vraiment très joli quoi. Donc ouais. Qu'est-ce que vous faites vous? Vous avez rien d'autre à foutre que faire des conneries là? Des interférences, rien d'autre. Elle est bonne, elle. C'est ma femme. Elle est bonne, ta femme. Madame Nakano, vous avez... Ça va, Kaktako, non? Ting tong, ling long. Parlez-moi de la radio sur laquelle travaillait votre fille. T'as pas un mode pour te battre avec genre une chaise? Non, Scad. Mais c'est vrai que ça manque. En plus, ce serait facile à faire, je pense. Notre communauté en secret. Nous sommes isolés ici. Nous étions sa seule compagnie et Kenji est parfois un peu... protecteur. Non. Un japonais protecteur? Mais je tombe des nues. J'aimerais en savoir plus sur Kazumi. Ça pourrait me donner une idée sur sa destination. Ma fille est une coriace. Si une meuf comme ça me posait des questions sur ma fille, jamais de la vie je lui réponds, mec. Jamais de la vie je lui réponds. Jamais de la vie. Je ne veux pas vous faire perdre. Tu es quoi, le shaitan? Chaque détail a de l'importance, Madame Nakano. Le problème, c'est que j'ai aucun charisme. Du coup, voilà, elle s'en bat les couilles. Vous n'avez pas l'air d'accord avec votre mari sur la raison de la disparition de votre fille. En vrai, tu balances tout pour pas qu'elle mange ton âme. Le problème, c'est la voix. La voix, elle est trop... pleine de dangers. Elle se considère encore comme un bébé. Un peu comme les Belges, en fait, tu vois. Faudrait qu'elle parle tout le temps en flamand. Voilà, voilà ce qu'il y a, exactement. C'est elle qui l'a dit. Elle ne veut pas qu'on la suive. Ouais, ça c'est, je pense que c'est ça, ouais. Ce sera tout. Pour le moment. Je peux vous mettre un coup de boule et voir si ça fait une marque sur votre front avec une croix inversée aussi. Monsieur Nakano. Vous aviez des questions au sujet de ma fille? Oh, excusez-moi. Vous pouvez m'en dire plus sur Kazumi? Donald Duck. Le moindre détail peut faire la différence. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est ma petite fille adorée. Elle ne sait pas à quel point le monde... l'oxygène, c'est quoi? Est-ce que t'as vu que sa femme est... Oh my wamo. Putain. Ce jeu va me buter un jour. Regarde là derrière là. Elle a Shadow Step, Cheap Chan Backstab. Comme elle fait d'habitude. Et quelqu'un est entré en contact avec elle et nous l'a prise. Mon Dieu, quelle espèce de psychopathe dégénéré. franchement, je sais pas. En psychopathe dégénéré, je m'y connais que moyen, donc je peux pas. Oh la vache. Pourquoi elle a... Ah, elle a les lèvres mouillées à moitié en plus, regarde. On dirait qu'elle bave tout le temps. Ah, c'est dégueulasse. Pourquoi votre fille est-elle partie en réalité? Votre femme a dit qu'elle était partie... Mais elle mange du foie. Je sais pas, mec. Elle mange du pétrole. Elle a mangé des poumons pleins de goudron. Elle est intelligente. Mais elle ne sait pas que les gens peuvent être des monstres. Elle ne connaît que Ray et moi. Ah bah, elle devrait avoir une idée quand même. Vous mangez pas des chiens ou je sais pas quoi? Sans dire un mot. Quelqu'un l'a piégé. Mais qu'ils s'en bat les couilles. Elle a risqué sa vie en tout temps. Elle est horrible. Mais non, elle vient de Rouen. Sa vie en danger. Ok. Son grand-père. Oh, les chomblacks qui se tapent. Ça lui fait de la protection en plus. Mon père avait un don pour l'électronique. Kazumi a hérité de lui. Il est mort récemment. Rouen, c'est de la merde. Tu trouves? Et chie des gitanes enrobés dans du bitume. Ça c'est un vrai mec. C'est un vrai mec, cette Roberta. Retrouvez la vie, détective. Détective. T'as entendu ce qu'ils ont dit, mon cher? D'accord. Détective, ah ouais. Je peux porte du bureau. Ouais, c'est vrai que c'est un très joli bureau que vous avez tous là. Airbrush, ok. Faut faire une petite investigation, je crois. Et je crois qu'il faut réparer un truc, il me semble. La dernière fois, il y avait deux noirs qui me suivaient pour me vendre leur album de rap 10€. Bah non, mais tu fais comment quand t'as un album à plug, mec? Tu fais ton max, hein. Franchement, je les comprends, les mecs. Hein. C'est quoi ici? Screw? Je prends. Kazumi's Project Radio. Radio Gugu. Radio. C'est cool parce que la meuf, elle est quand même tombée sur des putains d'ordinateurs quantiques. Fais voir parce qu'il faut écouter les trucs là. Oh putain, ça va me saouler.
Non, inventaire, je crois. C'est dans Bric-à-Brac. Non, c'est où, Diver. Story Items, non. Kazumi's Project Radio. Tech. Voilà. Radio fonctionnelle. Je vais enfin avoir des nouvelles de l'extérieur. Sors. Mais regarde par la fenêtre si tu veux des nouvelles de l'extérieur, radio. Espèce d'énorme gigantesque conne. Ça devrait faire peur aux débiles. Et si quelqu'un saisit la peur aux débiles. Ça voudra dire qu'il s'y connaît en électronique lui aussi. T'es sérieux? C'est pour un post Facebook de que. Attends, elle est où là? Projet de la lampe, tiens, vas-y, montre-moi ta lampe. Journal de je reviens, j'ai des fusions corps à virer de mon armure. Ouais, bon courage, mec. Filament plus électricité égale lumière. Des fois, je me demande si mes parents font pas exprès de casser des trucs pour m'occuper. D'accord. Ok, waouh. Impressionnant. Ah, ici, regarde. Joué, impeccable. Journal Radio Gougou. Téléviseur Radiation King. Maman a dit que ces trucs servaient à diffuser des images. Radiation King. Ah oui, j'avais pas vu la marque de la télé, merde. Encore trouver les ruines des studios de télévision en ville. Non. Évidemment, elle a fait la menace quand je lui ai demandé si on pourrait aller les voir un jour. Ah oui, mais il y a rien foutu partout de ces cassettes de merde en fait. Je m'égare un peu. J'ai réussi à réparer les tubes à vide et l'alimentation, mais ça sert pas à grand chose sans signal. Elle est chiante votre fille, hein. Putain, vous êtes sûr que vous voulez la récupérer? Je crois que je vais plutôt le démonter pour récupérer. On sent pas les couilles de ce qui a fait son week-end, non? Putain, j'ai pas envie d'être... En plus, c'est bien. Je sais pas si t'as vu, mais le Pip-Boy, il consomme les cassettes, quoi. Hop, ouais, kitchen. Journal de projet, mixeur. Les circuits sont encore bons, mais toutes les pièces mécaniques sont rongées par la rouille. Oh putain, ta gueule. Bon, attends, je vais chercher là-bas. Ça va être plus intéressant que... Bon, ben, que... Je vais y aller. Oh, je reviens dans quelques jours. On avait besoin d'autre chose à ramener de la ville. J'aime bien ton doublage, toi, parce que tu sens que vraiment, il s'en bat les couilles, le mec, de ce qu'il est en train de faire. Je reviens plus tard, ma fille, virgule. Il vaut mieux que j'y aille tout seul, Kazumi. Oh, mec, j'aurais kiffé que ce tableau, ce soit le mec avec sa quéquette, là. Franchement, ça aurait été, mais tellement... Je vais claquer. J'ai dit non. Oh, ta gueule, Grand Father's Note, c'est quoi, ça? If you ever get locked out of the safe, then the answer is here in the bathhouse. Picture where the key is. Love, grandad. Grandad. D'accord. Je sais que tu le sais, mais j'en aurais pas. Au moins, il respire pas entre chaque prise. Oh non, Kazumi. Aussi, papa. La deuxième ligne, je lis la deuxième. Je lis la deuxième ligne. Kazumi, tu es puni. Ok, file-moi du scotch, vas-y. J'ai eu un frisson, putain. Journal de projet. J'ai jamais vraiment vu ce que j'étais. Ma. Bon sang, par où commencer? Ma. J'avais raison pour la portée. J'ai réussi à capter un signal puissant en provenance du nord. Mm-hmm. Il y a des gens. C'est le nord. Non, va pas au nord, par contre. Hein. Ils sont des synthétiques. Des robots humanoïdes fabriqués par l'Institut. Ils essaient de... N'importe quoi. Des robots synthétiques. Oh mais meuf, arrête. Acceptés pour ce qu'ils sont parmi les êtres humains. Ça a l'air génial. Mais ils ont commencé à me poser des questions. C'est pas... Des questions pour lesquelles je n'avais pas de réponse. Ah bah merde, ils ont demandé à une gamine de 19 ans si elle voulait pas servir de Martin Luther King. Comme si j'étais pas à ma place ici. Et puis, il y a certains moments de mon Je te dis où elle est ta place. T'es sûr? T'es sûr que tu veux que je te dise où elle est ta place? Je vais y aller. Je vais rejoindre les synthétiques. Arrête, j'ai rien dit. J'ai rien dit. De prendre un bateau vers le nord. J'ai rien dit. Non, vous verrez ou pas. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Ah, c'est Alors, s'il y a bien un truc qui ressemble à la définition kebab de la mer, c'est bien ça, parce qu'on dirait un genre de marsouin mixé à une écrevisse, à une tête de fangeux, mais en même temps, ça ressemble à un tournevis, enfin, ça ressemble à rien, quoi. Ah, en plus, leurs poissons, ils ont tout plein de pustules, c'est dégueulasse. Franchement, vous avez vraiment aucune conscience professionnelle, quoi.
On dirait un bout de Beaudroit, bah oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Que votre fille, elle avait besoin un petit peu de correction, hein. J'ai une question importante à vous poser. Regarde qui parle ! Regarde qui c'est qui pose la question, mec ! Votre fille est humaine. Qu'est-ce que c'est que cette question ? Pourquoi vous me demandez ça ? Sa place est à l'école et non à vagabonder dans la nature à cet âge. C'est ça que tu voulais dire, Ruru, bien sûr. Je pense que sa place était à recevoir une éducation, comme toutes les petites filles. Et voilà. Votre fille est entrée en contact avec un groupe de synthétiques. Elle pense domo arigato, mister Roboto, domo. Ce n'est pas une plus que dingue, je pense qu'elle est vraiment complètement conne. Nous l'avons élevée, je lui ai donné naissance. Elle est de t'es sûr? Et ça se trouve, c'est synthétique aussi. C'est bien ce que dirait un synthétique. Regarde comment elle est pas sûre, le perso. Enfin, je crois. Je sais pas trop c'est quoi, quelle émotion qu'elle a sur son visage, mais j'ai l'impression qu'elle a l'air... elle... Je sais ce que c'est comme émotion. Ok, c'était clair, en fait. Je sais pas, meuf. Cette fille est bel et bien une synthétique, Madame Nakano. C'est une abomination. Une perversion technologique. C'est ma fille. N'est pas. Ouais, c'est exactement ce que dirait un robot. Blim blou blab, je suis japonais, ma fille est une vraie fille, blim blim. Vous avez découvert où Kazumi est allé, détective ? Ouais. Dans la cuisine. je déconne, j'arrête. J'arrête. Je crois chut. Savoir où Kazumi est allé. Ramasse ce que t'as fait tomber avec ton prout. Bah oui, mais je suis désolé, mais je peux pas là. Attends. Elle est allée si loin vers le nord ? Bon Dieu, je comprends pourquoi elle a pris le bateau. Vous devez la suivre. Je vous en supplie. Mon autre bateau est amarré sur le quai. Prenez-le. C'est mon père qui l'a construit. Non, mais attends, il est triangulaire, le mec. Automatique. Ah, c'est parce qu'il a un japon chinois. Je trouverai le fin mot de l'histoire. Merci. Et tenez, voilà la somme convenue. Ah, merci bien. Je suis pas venu pour rien. Attends. Tenez votre lampe, tenez, voilà. Tenez, non. Ah, putain, mais tiens la lampe. Tiens, bouge pas, toi. Bouge pas, tiens la lampe. Putain, bon, démerde-toi. C'est Julien Pouillasse, le samouraï de lampe de chevet. Attends, bouge pas. Tu sais quoi ce qu'on va faire? On va faire comme Scad a dit. On va faire Far Harbor et ensuite on va régler leur compte à la famille. Blip bloop là. Y a quoi qu'on peut prendre ici? C'est quoi? Miaou miaou. Miaou miaou. Bonjour. Miaou miaou. Miaou miaou. Eh les gars, qu'est-ce qu'on fait les gars? Stop! Arrête! Stop! Miaou miaou! Miaou miaou! Miaou miaou! Viens miaou miaou! Miaou miaou! Miaou miaou! Bah! Ma cuillère elle est pétée! Ah. Attends. Miaou miaou. Miaou miaou. Miaou miaou. Oh le bruit. Oh le bruit qu'il fait quand il tombe, regarde. Écoute ce truc de plastique, écoute. Chérie, qu'est-ce que t'as fait du char en bois? Amène-le aux japonais, ils vont kiffer. Bah oui, c'est ce que je compte faire. Attends, bah, je vais leur rendre service, moi. Miam miam. Attends, merde. T'inquiète pas, va. Putain, il est où? Où est-ce qu'il est? Mais merde, je trouve plus ce que je cherche. Oh non, ça existe plus. God.
fait chier dessus. You just remember what your old past is. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got in trouble, and I got them too. Oh, oh putain! Attends, faut que je range le chat quand même! Attends, je vais ranger le chat! Oh, oh putain, je pleure, mec, je chiale! Oh, je chiale! Allez, allez. Ils ont 9 vies. Ouais, mais c'est eux, ils ont 9 chats en même temps. C'est tout, vous avez que 2 chats? Quitte à faire, vous me dites, hein. C'est bon, j'ai l'impression que ça va. J'avais oublié. Putain, le bruit. J'avais oublié le putain de bruit. Oh, j'en peux plus. Ils ont pas un troisième chat, là? Non, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce qu'ils ont comme chat. Bon, vous voulez... attends. Quitte à faire... Non, elles sont fermées, les machines à laver. Merde. Quitte à... Vous faites attention à mes chats. Hein? Attends, bouge pas. On va les mettre dans l'étagère pour être sûr qu'ils y touchent pas, parce que j'ai vraiment pas confiance. Regarde, hop. Prends le chat. Bouge pas. Attends. Le chien. Chut. Casse-toi, le chien. Voilà. Mets là. Dans l'armoire à chat. Hop. You got a friend in me. You got a friend in me. Tout le monde veut devenir un cat. Et hop. Oh, oh putain. Ah, c'est donc ça qu'on appelle une chatière. Y a pas un autre chat dans le coin là? T'es sûr? Quitte à faire, autant compléter le... Non, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Allez, on se casse pour Far Harbor. Après 1h30 à faire les cons. Allez. Ouh. Oh, ça bouge. Oh, ça bouge! Attention, ça bouge! La famille Nakano, ça bouge! Je vais vite! Je vais retourner à Roubaix! Oh, putain, mais j'ai trop chaud en plus, j'ai foutu mon pull! J'ai la fenêtre ouverte, j'ai foutu mon pull, mais j'ai chaud! Je suis con, hein! C'est... Ouh la vache, faut pas sauter! Oh, regarde! Oui. Il est bien fait le jeu! Oui. Oui. Nakano de sauvetage! Dab! Oh, je vois plus rien, je suis aveugle! La ville de Far Harbor est entièrement bâtie sur une jetée, au bord d'une île. Welcome to Far Harbor. No Jews. No Jews allowed. Nous y voici. In Lovecraft Land. Welcome to Lovecraft. Welcome to Wipeout. J'ai toujours mon spider, ouais c'est bon. Tant que j'ai mon spider, forcément, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui peut nous arriver de vraiment, vraiment mauvais. C'est stylé, ouais, vous allez voir, c'est pas mal. No communist allowed. Regarde, c'est joli comme ambiance, non? Il y a un petit côté... T'as Spider, t'as B-44, B-55, je le connais pas, mais ça va être le grand frère de B-44. Salut les gros gays. C'est moi. Vous avez perdu votre chemin? Ouais, super. Qui je dois buter? Il est sympa ton flingue, gros gay, va. Y'a quoi ici?
J'ai envie de claquer des choses. Toi, je vais te trouver, toi. Toi, je vais te trouver, moi. Il s'appelle Allen, évidemment. Le seul raciste, c'est Allen. Bravo. Je suis désolé. Vous arrivez dans un moment difficile. Mais Allen n'a pas... Bah, les couilles. Oh, Tex. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce que ça peut te foutre? J'ai pas fait tout ce chemin pour me faire interroger par des gens comme vous. Pardon? Je savais que j'aurais dû la descendre. Ah ouais. Parce que je dois... Toi, tu veux me descendre? Toi, tu vas me descendre? On n'est pas là pour... Vas-y, attends. Ah ouais. Cuillère. Les gens ne viennent pas à Far Harbor à moins d'avoir une très bonne raison. Je peux peut-être vous aider. Cherche une petite japonaise, un peu fraîche. Une jeune femme du Commonwealth. Oh, les chomblex. Est peut-être passée ici. Allen, il a tout de suite compris. Non, oui. Allen, il a vu. Et en fait, déjà, il a senti. Il a fait... Oui, on est passé. Ça sent la chatte, là, non? La meuf, elle a dit, bah oui, c'est normal, on habite à côté de la mer. La marinière débarque. Il y a quelque chose qui sort du brouillard. Postez-vous en haut du mur. Ouais, d'accord. Ah, JPP. On va où? Qu'est-ce qu'on fait? Me sauver, moi, là? Ouais, t'inquiète. Occupe-toi de toi, on verra plus tard. Pousse, allez, fonce, la vieille, là. C'est quoi, ce délire? Qu'est-ce qui se passe? De la visite? C'est moi, la visite. Ouais, elle est en train de déconner, là. Elle dit de la merde, hein. Attends, il est où, mon B-44? Je vais me battre avec B-44 un petit peu, parce que je trouve qu'il a été sous-apprécié, ici. Voilà. Aïe! C'est quoi, ça? C'est une cuillère. T'inquiète. Bah, j'ouvre, hein, mais c'est quoi, ça? Ouvrez la porte. J'ai besoin d'aide. Je vais l'enculer, t'inquiète. Tac. C'est... Ah, voilà. C'est qui? Oh, putain, il y en a plein. Les immigrés. Fais à volonté. Ah, merde, c'est pas lui, le méchant. Ouh, grenade. Mec, il a buté tout le monde. Merde, mon chien. Tac. C'est des gobeurs. Des gobeurs. Comme le roi d'Agobeur. Il a mis sa culotte en enveur. Attention! Ah! Il y a un genre de chose qui se passe et tout le monde est en train de mourir! C'est fini. Ouais, c'est bon. Regardez le brouillard. Quelque chose nous fonce dessus. C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi, ce bruit? C'était quoi? Attends. Oula. Attends. Oh putain, l'autre, comment il a foncé dessus comme un djihadiste. Attends. Voilà, ta gueule. C'est bon, on a réglé le problème, hein. Ouvrez la porte, par contre, c'est pas marrant ici. Attends, je vais voir, parce que putain, ils ont fait un massacre, les gars. C'est vraiment, vraiment... Est-ce qu'on peut vivre dans un... Ça m'attriste, tu vois. De voir des massacres comme ça, j'ai envie de... Ils étaient pourtant si jeunes. Elle était si jolie. Je pourrais... Oh la vache, ça éclaire beaucoup, en fait, c'est cool, ce truc. Enfin, j'utilise plus souvent la lampe parce que... Oh, regarde-les. Lui, il est... Attends, je vais le soigner. C'est bon. Oh merde. Ah, la tête, elle a clip. Non, c'est bon. Attends, je le ramène avec nous, comme ça on pourra toujours vivre avec. On va faire genre... Rien ne s'est passé. Est-ce que t'as vu que quand je fais ça... Genre, le cou, il bouge comme s'il y avait encore le corps rattaché, en fait. Tellement le jeu est bien fait. Attendez, je vous le mets... Bah tiens, je vous le mets là. Attends, il est en train de être bang alors qu'il s'est qu'une tête. Bouge pas. Là. Blip. Tout, 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 tout. Come on and slam. And welcome to the gym. Attends, t'avais pas un truc intéressant, toi, ici, d'ailleurs? Est-ce que c'est ici? Non, ça, ici, c'est l'hôpital. Ici, c'est l'hosto. Y a un mec, normalement, il a des guns. Oh, putain, la vache, c'est Terminator. Je crois qu'il y en a un qui a des guns dans le coin, non? Tout. Sur un des survivants qui survit plus. Il y avait une arme légendaire sur un des survivants qui survit plus. Une arme légendaire. Tout. Glow Sighted Calibrated Powerful Remington Model 700. Non, c'est pas légendaire. Où ça? C'est celui-là que t'avais vu? Ouais, non, c'est de la merde. Remington Model 700, je sais même pas ce que c'est. C'est un... Ouais, non, c'est... J'en ai déjà un comme ça. C'est de la merde. Ça ne... Aucun intérêt. Je vais reprendre B44 parce que c'est bien utile.
Caca, ouais, ouais, c'est caca. Ha 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 ha. Le relou. Maintenant vous voyez. Avray. Avray Lavaigne. Les créatures qui se cachent dedans nous ont chassés de notre île. Et vous nous avez donné un sacré coup de main. Je sais plus quelle faction on peut habiter ici, quelle faction on peut aider. Mais j'ai envie vraiment de foutre la merde. Et j'espère qu'on peut les virer de l'île en entier, tu vois. Vous avez perdu toute l'île. Le brouillard a toujours été là. Quand on a de la chance, le brouillard recule et l'île est presque normale. Et quand on n'a pas de chance, le brouillard s'étend partout. Ah là, le brouillard il s'étend, poteau. Ça va faire presque 8 ans qu'ils se propagent. T'en veux du brouillard ? Ils affrontent des fans de Jean-Luc Godard mutant en gros, ouais. Plus ou moins, ouais. Plus ou moins, nuit et brouillard, ouais. Belle référence. C'est Godard, nuit... Non, tu fais une référence à Nuit et Brouillard ou autre chose ? Ou The Mist ? C'est quoi ce brouillard ? Tu peux tuer tout le monde, dont une faction à coup de nuke, je te rappelle. Vous voyez ? Dans Far Harbor ? Putain ! Eh ben écoute, on va essayer de faire ça. On va essayer d'éclater tout le monde, d'accord ? Qui grandissent et qui se multiplient. Vous avez vu ce qui nous a attaqué ? Il y a des choses largement pires dans les terres. Oh, j'ai hâte. Ça va être bien. C'est partout pareil. Tout le monde. Je te fais des œufs brouillards. Ah oh, putain, ouais. Ah putain, tu viens de me rappeler que j'ai super faim en fait. Cette saloperie de coq, Avry. Tant qu'on s'occupe sérieusement du problème, avec mes armes et une bonne équipe, je pourrais nous débarrasser de ces fanatiques des enfants d'Atome une bonne fois pour toutes. Les enfants d'Atome, eux, je les aime bien. Les enfants n'ont rien à voir là. Les enfants de l'Atome, je les aime bien, moi. Franchement, c'est ceux qui se rapprochent le plus de la philosophie de Robert en fait. Il est temps qu'on passe à l'action. On a de la visite du continent. Mais qui va viser la cuillère si t'envoies une nuke ? On peut revenir à nos affaires, voilà. Elle est où la gamine ? Excusez-nous pour toutes ces histoires. Ouais, ça m'intéresse qu'à moitié en fait. Kazumi, c'est voilà. Elle a mis le cap sur Acadia. Les enfants d'Atome, il y a une quête avec des clés de lancement nucléaire pour faire péter les ogives. Et bah voilà, impeccable, on va essayer de faire ça. Vieux Longfellow, il connaît le brouillard comme personne. Mais je vous préviens, c'est un emmerdeur. Bah ça doit être la zone qui fait ça parce que vous me cassez tous les couilles hein. Je n'ai pas besoin de guide. Je ne vous conseille pas d'y aller en solo. Je m'en bats les couilles. Si vous changez d'avis, vous trouverez sûrement Longfellow au bar, le grand mât. Mais avant de vous lancer, évidemment. Je vous en prie, donnez-nous un coup de main si vous pouvez. Vous faites chier là. Vous n'entendrez peut-être pas de sitôt ici. Non mais j'ai pas dit oui. Pourquoi il y a Grace Jones là ? Ok. Tu peux carrément y aller en solo ? Bah oui, non, mais c'est ce que je veux faire. T'as cru que j'allais demander un guide ou quoi ? Ah, c'est lui qui a des guns, je crois, non ? C'est toi qui a des. Non, ça, c'est une connasse, toi. C'est qui a des guns ? C'est toi qui a des guns. Et normalement, ici, il y a des guns cool et il y aura un gun qu'on pourra nommer SCAD. Normalement, attends, faut que je lui parle. Il y a peut-être un gun à acheter. Bonsoir, je sais pas ce que t'es en train de foutre, mais c'est super impressionnant, mec. Allen ? L'ange du continent. Super. Non, tu m'appelles pas comme ça par contre. Ta gueule. Tu vois le genre ? Ça va, j'essayais juste de vous aider. La charité. Sale connard. Avec ton bonnet là, y'a que des PD qui mettent des bonnets. Et les communistes. Il fait du stepper là. Faut rester actif, mec. Soit on fait tous le grand saut. C'est comme ça que ça se passe à Far Harbor. Donc si vous faites du matériel, faites vos emplettes. Voilà, mais c'est tout ce que je veux moi à la base, hein. Je veux juste voir tes armes, hein. Je vois pourquoi tu me casses les couilles. Pas de coup fourré, je te fourre si je veux. Alors, y'a quoi ? Voilà ! C'est ça que je veux. Il est même pas très cher. Alors, voilà. Je vous rappelle... que l'Advanced Penetrator, c'est une MG42 qui tire des pattes. Et d'ailleurs, je sais pas, mais on l'avait pas vu la dernière fois. Mais si on regarde... Le côté, en fait, le manche là, c'est une grosse penny rigatée. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Officer Sword, un Jaguar MX200, c'est de la merde. Focus, mon cul. MG42, Harpoon Gun. Ouais, mais je pense qu'on va prendre Ami de l'Amiral, il va être mieux. Ça, c'est un Spider. Piège à poisson. Alors, je sais pas ce qu'on va foutre avec ça, mais on va pouvoir quand même le prendre, on sait jamais. Il coûte combien ? Il coûte 120 balles. Non, 845. Non, valeur poids. Quoi ? Attends, parce que là je comprends que dalle. PTRS 41, Super Sledge, on a déjà un. Calibre 50, ça c'est bon. Un shotgun, un Beretta, nanani. C'est quoi ça? C'est un genre de. C'est une Merzleg en fait.
On l'a jamais testé, ça, si ? Knookless. Ouais, il y a des Knookless, ouais. On va voir. On va voir, mais pour l'instant, j'aimerais bien choper l'ami de l'amiral. Par contre, il est à 3200 balles. Je sais pas très bien comment on va pouvoir... Attends, je peux le vendre, ça ? Putain, Adwim, il vaut 1500 balles, il est tout seul. Chubby en vaut 2000. Ah, mais ça me fait chier de vendre des trucs, mec. J'ai pas forcément envie de vendre des trucs, tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que je pourrais vendre ? Les lunettes de dieu et le chapeau à Nick Nick, dont je préfère pas. Les gants de Pampa, non. Light chest piece of incinération. Pff. Franchement, tu te casses. Le helmet, tu te casses aussi. Qu'est-ce que je peux lui vendre d'autre ? Mes drogues, non, je vais garder mes drogues. La troque. C'est la troque ? Joint papers. Valeur au poids, 2000 ? Quoi ? J'ai rien compris, ok, c'est pas grave. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Voilà. Qu'est-ce que d'autre je peux vendre ? Burn Trade Magazine, ça, c'est de la merde, tout ça, là. Ça, on s'en fout. Et ça, on s'en branle aussi. Il y a moyen de choper ce genre d'arme avec une quête. Tu peux vendre le lance-missile légendaire que t'avais ramassé. Ah, oui ! Attends. Déjà, on peut vendre celui-là, parce qu'on s'en fout. Le Key Missile Launcher, on s'en fout aussi. Les cocktails Molotov, on s'en bat les couilles. Les mines à frag, on s'en bat les couilles aussi. Il était à combien, le truc ? 3000 ! Putain la vache, il est cher l'enculé. Il est cher l'enculé. Oh l'enculé. Non ! Vas-y, je veux ça. Attends, parce que du coup, il a pas assez de thunes pour me filer... Scad, je pense que ce sera... On va réserver l'ami de l'amiral à Scad, quand même. Ça fait un moment qu'il voulait une arme. Et du coup... Ouais, je lui dois 2000. Oh putain, fais chier. Mec, t'as assez, prends-lui plus de trucs. Quoi ? Mais non, j'ai pas assez pour prendre l'ami de l'amiral. Il est à 3600 balles. C'est pas possible. Comment je peux avoir assez ? Il manque la moitié, mec. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Je pourrais prendre des munitions, histoire de faire le contron. Regarde, file-moi du calibre 50. J'avais besoin de calibre 50. File-moi, regarde. Bon, ouais, 50 balles de calibre 50, pourquoi pas. Tac. Voilà. Et je crois que oui, de toute façon, on en ramasse un plus tard de trucs. Vends-moi si tu veux. Ah non. Ah non, 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 Apo. Non, non, c'est mort. Je vends pas les gens, moi. Je vends pas les gens. Sur Xbox One, je faisais le bug des munitions pour avoir de la thune. Je sais pas ce que c'est, le bug des munitions. Le jeu, il est tout pété, mais j'avoue, je sais pas ce que c'est. Bon, on a toujours B44, hein, comme arme reliable, comme on dit. Est-ce qu'ils sont en train de faire cuire ce truc ? Ah, c'est ça, ils sont en train de faire un genre de potée moulonnière. La potée moulonnière. Vous avez quoi ici ? Qu'est-ce que vous foutez ? C'est une fille, ça. Pourquoi je dis ça comme ça ? Le mec, il en revient pas. C'est quoi, ça ? Cassie Delta. Donc ça, on s'en fout. Non, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie, je veux pas. Ce P en stéréo, ouais, je sais, merci, mec. Je fais mon maximum, hein, mais... The last plank. Let's go. Je réactive le son et je tombe sur un P. Bah, c'est le risque que tu prends quand tu regardes LMF, mec. Hein. Y a forcément une petite caisse qui peut se cacher par-ci, par-là. Hein. C'est quoi, ici ? Ah, c'est lui. Ah, mais je m'en fous, en fait. Tiens, fume-moi ça. On va les couilles. Ça, c'est bon. Y a quoi d'autre en haut, là, que je pourrais... Tout le monde ! On essaie d'avoir une conversation, là. Fermez-la un peu et écoutez. Paraît que le brouillard va finir par nous faire la... C'est la maison qui régale. C'est la fête. À la pièce, Mix. Aujourd'hui, c'est le jour de chance. You're so funny. Oh, hi, Mark. Il me fait une bière. Quel con. C'est quoi, ça, rune? To whom it may concern, if you're reading this, I'm dead. The harbor's dead, and likely every damn soul on this island, except the children of Atom, are dead. My advice to you is rune. This island is cursed. It may be Atom, it may be the Red Death, it may be some angry ghost from the old world, but it's true, the fog of the cultists are coming for you. Dis donc. Ça, c'est incroyable. C'est quoi, ça? J'aime bien ça. Personnellement, je passerai pas l'arme à gauche sans être complètement... On dirait que vous avez besoin d'un vim, bien frais. J'adore ce mec. Et c'est pas sur Far Harbor, d'ailleurs, qu'il y a un genre d'easter egg avec des statues, c'est ça ?
En plus, le coup de petite cuillère dans la nuque comme ça, ça doit être vraiment, vraiment, vraiment très douloureux. Mais comme il a une veste en cuir, il s'en fout. Bon, par contre, est-ce que je peux avoir mon jeu ? Ah non, mais tu vas pas me dire qu'ici aussi, ça va ramer quand même. Mais ça va parce que je crois qu'il y a beaucoup moins quand même de maps en intérieur à Far Harbor que sur le reste. Ça va pas l'empêcher de me casser les couilles, hein, mais bon. Ça va, vous ? Vous passez... T'as déjà fait Nuka World ? Non, 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 Céline, il en a fini l'aventure principale, le dernier stream. Et là, on est en train de... Mets-toi ton cul, toi. Et là, on est en train de commencer les DLC, justement. Donc, pas encore. Qu'est-ce que vous regardez ? Pardon ? Ouais, c'est ça, ouais, casse-toi. Tywin Lannister, je t'emmerde. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tour d'abord sur Far Harbor. Est-ce qu'il faut vraiment leur parler à ces connes, là ? Vas-y, on va faire leur quête, c'est pas grave. Je m'en fous. Pourquoi personne ne vous aide ? Tous les habitants de l'île sont leurs propres maîtres. Avec son chignon de tafiole, il y a que les PD et les marins qui portent des chignons. Miaou miaou. Miaou miaou. Mister miaou miaou. La vache, la gueule. Ouais, bah quoi ? Elle est très jolie, non ? Métèque ! Attends, quoi ? Qui vient de traiter de Métèque, là ? Qu'est-ce que c'est, ce délire, là ? Dis donc. Si je vous aide, j'attends en retour une certaine... reconnaissance. Sous forme de capsule. De cunilingus. Si je t'aide, tu me suces le cul. Ok ? J'ai besoin d'outils. En plus, c'est même pas moi le racisme là, c'est Todd Howard. Une bonne grosse pipe de derrière les fagots. Je veux que tu me lèches le visage. Pas de problème, comptez sur moi. Pas de problème, comptez sur moi. Allez, vous trouverez les outils là-bas. Ouais, top. J'aimerais juste un. Je veux le truc pour lancer les boulets de canon personnellement. Le reste, je m'en bats la race en fait. Voilà, je suis en train de lâcher les caisses en boucle de... Pourquoi il lâche des... Il lâchait pas des caisses aussi souvent avant, hein, mec, hein. Ah, on est bien ici, hein. Oh, l'horreur. Oh, l'horreur. Oh, t'es catastrophique, meuf. T'as vu l'île déchirée ? Moi aussi. Moi aussi, j'ai vu l'île déchirée. Franchement, c'était magnifique. C'était pas toutes les 3 minutes ou ça, mais normalement c'était, je crois, que toutes les 5 minutes, mais là ça le fait beaucoup plus, j'ai l'impression. Vous pensez que l'île est vivante ? J'entends pas avec le bruit de l'eau en fait. C'est ce que vous pensez pour le moment. Mais je pars. Oh là là, oh, je m'en branle. Je m'excuse, mais les histoires m'ennuient vite. Ouais, ouais, impeccable. Non, non, mais tu m'auras pas avec de la thune, mec. Si ça me casse les couilles, je le ferai pas, c'est tout, hein, même contre de la thune. Attends, tu m'as pris pour quoi ? Tu m'as pris pour un... Bon, parce que bon. Alors, attends, où est-ce qu'on peut trouver des trucs pour tirer des boulets de canon ? Putain, mais il faut forcément venir ici pour faire des quêtes, attends. J'ai des quêtes sur Far Harbor ou quoi ? Donner trou dans la coque. Obtenez des outils et électriques. Aider la marinière, aider Cassie Dalton, aider les trucs nanana, parler au vieux Longfellow. Ouais, il faut forcément les trucs ici. Bon, écoute, on a quelques quêtes à faire plus loin, donc on va commencer à se balader un peu sur Far Harbor, histoire de prendre un peu la température, voir un petit peu comment ça se passe. Regarde, si c'est pas joli. Avec ses assets récupérés de partout. Ils ont même pas changé l'église. Attends, je sors mon arme. Y'a quelqu'un ? Quelqu'un ? Pas déconner, hein. Né, hein. Y'a quoi ici ? Ah putain, les achète en silver, mec. Ah, c'est bon, je vais pouvoir lui revendre à l'autre connard pour acheter le canon, là. Du coup, là, on va être en mode clochard pour essayer de ramasser un maximum de trucs qu'on peut revendre. Oh putain, mais c'est chiant. Jamais à l'église sans ma cuillère. Tac. C'est quoi, ça ? Ah, elle est morte juste à côté, c'est Bromo Dragonfly ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est dans soin ? Bromo Dragonfly ? D'accord. Par contre, il n'y a que moi, j'ai moi le stream en 20 FPS. T'as le stream en 20 FPS ? Bah non, j'ai... Enfin, je sais pas, ça le fait à d'autres personnes ou quoi ? Parce que moi, pour l'instant, le jeu, il est fluide, là. Enfin, en tout cas, il est fluide. Il y a eu des petites baisses tout à l'heure, mais là, il y a une petite baisse, par exemple.
Ça saute un peu dans la ville, ouais. Là, ça va, là. On est d'accord. Ça galère aussi pour moi. Attends, j'ai des problèmes de... Non, pourtant, j'ai pas de perte. Bah, je comprends pas, les gars. C'est... Je sais pas si ça vient de moi, parce que... Attends, est-ce que je peux mater les statistiques, peut-être? Attends, faut voir. Encodage, alors je te recharge. Ah bah oui, dis donc, attends, mon CPU, il est en train de galérer, là. C'est quoi, ce délire, là? C'est assez random. Bah alors? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce qu'il a, mon CPU? Bah alors? Bah ouais, dis donc, mais attends, tu vas la fermer, ta gueule? Attends. Attendez, bougez pas. Je vais lui faire un peu fermer sa gueule. Qu'est-ce que je peux... Il y a trop de paix à la minute. Je crois que c'est ça, mec. Hein. Je crois que c'est clairement ça. Hein. Ah, waouh, qu'est-ce que c'est? C'est qui? C'est qui, c'est con? Qu'est-ce que tu fous, toi? Ah! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yeah! Oh yeah! Là c'était beau. Ça va? Et je vous dé, bande de cons? Ouais, j'adore ce truc. Vous me dites si ça recommence. Ah là ça doit recommencer, c'est ça? J'ai l'impression que ouais, c'est en train de galérer. Mais c'est bizarre que ça le fasse, en fait. Ouais, c'est en train de galérer, on est d'accord. Hein. Ok, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de changer les options comme ça à froid, hop. Ok. On va voir si ça change quelque chose. Pourquoi je vois flou? Est-ce que c'est la drogue qui est en train de... Ah, je crois que je suis en train de devenir défoncé. Je crois que je suis en train de devenir complètement éclaté, mec. Oh là là. Oh putain. Oh là là là. Oh là 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 là. Eh, j'espère que mon chien il va être... Oh là là. Attends, c'est... Ouais, non, c'est la... Oh, c'est la drogue, ça. Oh. 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 Oh, je suis éclaté, mec. Allez. Oh putain. Ah, ça c'est les pilules de terre, ça, mec. Le mec il a fait... Je comprends pas, ça me fait rien, moi. Oh là là, mec. Oh. Oh là là. Ah, je suis encore en surcharge, mec. Mon CPU est vraiment en train de galérer, en fait. Ouais, je suis en galère. Oh là. Oh là là. Oh. Oh là là. C'est... Ouais, putain, hey, mec, ça a commencé à me casser les couilles, par contre. Ça a commencé à me casser les couilles que mon CPU il galère comme ça. Attendez, bougez pas, je fais juste un truc. Le problème, c'est que si là il galère, c'est que je vais avoir des soucis. Est-ce qu'il est chaud, mon CPU? Je regarde les températures vite fait, en stream. Bah il est à 50 degrés. Pourquoi tu m'emmerdes? Et je suis même pas en full... Enfin, il est même pas trop... Enfin, aussi busy que ça, mon CPU, je comprends pas. Chrome fait parfois de la merde, mais j'ai pas Chrome, mec. Là, ça rame, là. Ouais, c'est peut-être en train de ramer, là. Bon, bah, écoute, tant pis, hein. Je vais être obligé de faire comme ça, parce que... Là, ça rame, là, on est d'accord, j'imagine. Oh, putain. Ça va me saouler, ça. Putain, je suis éclataxe. Oh, il y a des trucs qui bougent. Une goule des brumes. Oh. Ça rame, là, ou quoi? Ouais, ça rame. Merde. Putain, mais c'est à cause de quoi? Tu vas me laisser tranquille? Putain. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi qui fait chier? C'est pas les brumes qui font péter. Bah, je sais pas. Attends, je vais voir. Oh, des goûts des brumes. C'est marrant, ça. Attends, fais voir. Non, mec, c'est OBS, poto. C'est OBS qui fout la merde, poto. Dès que je bouge... Ouais, c'est OBS. Déjà que mon CPU a du mal. J'avais un crash systématique à la sortie de la ville. Ah ouais? Ah bah ouais, bah écoute. De Bernard de la Villardière. Putain, je suis en train de voir en toutes les couleurs, poteau, là. Et c'est le tout reboot, au pire. J'ai pas envie de couper le stream maintenant, les gars. Si, au pire, si jamais c'est vraiment la merde, je vais changer de jeu. Je vais prendre un jeu qui est moins taxant. Ça fait... pas le... Mais j'essaierai de faire autre chose, parce que... Pourquoi il y a du Westland Ronin ici? Tiens, je vais prendre ça montre. Je vais prendre ça. Ouais, je vais faire du Untitled Goose Game si jamais c'est trop chiant. Hein. Non, pas GeoGuessr. On va plus faire de GeoGuessr.
Ça a l'air mieux là, non? Est-ce que c'était la drogue? Ah non, non, ça le fait encore. Putain, attends. Ça, ça va me saouler, ça. Ça, je veux pas. Non, ça, je veux pas. Je veux pas que ça fasse des trucs comme ça. Tu arrêtes. CPU, tu arrêtes. Tu marches, ok? Ouais, c'est plus fluide, mais ça tient pas. Dès que j'approche de la brume... Alors, si je rentre dedans, il va se chier dessus, je pense. Ouais, tu vois. Dès que je m'approche, il commence à se chier dessus. Donc, je pense que les gars, je vais stopper là. Colle un ventilo devant... Mais non, mais c'est même pas... Mec, c'est même pas des températures, hein. C'est... Attends, je vais lancer vite fait mon specky pour... C'est quoi ce bruit? C'est moi, j'ai entendu une grenade. Non, à mon avis, c'est pas ça. Il aime pas la fumée volumétrique, mais même... Enfin, je suis en train de regarder mes températures et... Bah non, mais mec, 60 degrés, mon CPU, quand même. 60 degrés pour un CPU, je suis désolé, c'est... Il tousse. Et rien de plus, quoi. Non, non, je crois que c'est juste de la surcharge. Je pense que c'est juste OBS qui me surcharge le cul, en fait. Et vu que Fallout 4 est un jeu qui est très, très, très mal branlé, qui tire vraiment les mauvaises choses au mauvais moment, je pense que streamer ça en 60 FPS, ça va foutre la merde. Si je retourne en 30 FPS, je pense que ça va pas poser de problème. Est-ce que je peux le faire à chaud, tu crois? Attends, fais voir. Je vais essayer les trucs. Et tant qu'on est là, franchement, je vais essayer les trucs, mec, parce que... Regarde, tac. Je crois que je peux pas changer ça à chaud, par contre. Ouais, je peux pas changer ça à chaud, mais... Je suis sûr que si je vire le 60 FPS, ça va pas poser de problème. Le truc va être plus moche, le stream va être plus moche, mais je pense qu'à l'avenir, du coup, je ferai ça pour Fallout 4. Et puis là, je vais changer de jeu pour faire du Untitled Goose Gamé. Il y a quoi ici? Ça le faisait tout à l'heure aussi? Oh, yes! J'adore ce truc. Ça le faisait tout à l'heure aussi ou quoi? Quand j'étais en ville normale dans le Wasteland. Ou ça l'a fait quand je suis arrivé à Far Harbor. Parce que du coup, j'ai pas vu, moi, le truc. Beaucoup moins, non. Là, ouais, ça le fait. Mais là, je le vois. Hein. Franchement, Je vois le message qui pop, les gars. Tout à l'heure, il y avait rien. Bon, et bah écoute, les gars, je vais m'arrêter là en lâchant une énorme caisse. Attends, je vais aller voir là-bas. Juste depuis Far Harbor. Putain, mais merde. C'est badant, ça. J'aime pas quand ça fait ça. J'aime pas le fait, surtout que je m'en suis pas rendu compte directement. Bon, bah, je changerai ça pour la suite, les gars. Mon PC est encore un peu... Il est encore un peu faible, mon PC. Hein. C'est pas non plus un... C'est pas une machine de course, c'est pas une bête de course. Donc forcément, l'overload CPU, il se fait vite. Mais, il y a peut-être un mode qui enlève le fog. Bah oui, mais si j'enlève le fog de Far Harbor, poteau... ça va être très, très, très chiant. T'as trouvé quoi? Qu'est-ce que t'as trouvé? Qu'est-ce que tu m'as mine? Qu'est-ce que t'as fait? Mais tu m'as rien ramené, en fait. Je sais pas ce qu'il fout, ce con de chien, mais il fait n'importe quoi. Hein. J'ai le mode sous la main pour delete le fog, si tu veux. Bah oui, mais... Enfin... Ça me fait chier, quoi. Enfin, ça sera moins marrant. On va essayer pour la prochaine fois. Écoute, tu m'envoies le mode, si tu veux, Chubby, en MP sur Discord. J'ai essayé de foutre le mode pour la prochaine fois. Et là on va essayer de faire autrement. Je vais prendre cette bernache. Je sais pas ce que c'est une bernache. Je connais les bernacles, mais pas les bernaches. C'est quoi, ici? Et non, il y a des trucs bien, ici. Ça me plaît, moi. Ouais, dès que je bouge un petit peu, ça pète un plomb, en fait. Ouais, bon, bah, tant pis, hein. On essaiera de régler ça la prochaine fois. Pour l'instant, on va faire du Untitled Goose Game pour le reste de la soirée. Et on verra la suite. Pas juste en 30 FPS, sinon, je pense, pour le prochain. Mais je ferai des tests, Skad. Je ferai des tests avec le mode, je ferai des tests en 100 FPS, j'essaierai de nouveaux trucs. Là, j'avoue que ça l'a pas fait pendant les tests, mais j'avais pas testé avec du, comment on dit... En stream, je l'avais testé en offline, donc évidemment en stream ça change un petit peu la donne. Mais ouais, c'est le fait que Fallout 4 existe, en fait, ça fait ramer mon PC. Far Harbor est spécial, bah ouais, il est spécial, ça a l'air, hein. Tac, allez, sauvegarde. Bref, les potos, je vais changer de jeu, restez là, bougez pas, j'essaierai de régler ça là pour la prochaine fois. Je suis désolé, hein, du coup, je m'en suis pas trop rendu compte que ça faisait ça, mais écoute, on va se démerder, on va trouver un moyen, on trouve toujours un moyen. Je sais qu'en plus vous aimez bien Fallout 4 et moi aussi j'aime bien streamer Fallout 4. Même si c'est un gros jeu de merde, j'aime bien streamer Fallout 4. Donc je reviens dans quelques minutes, le temps d'installer, de lancer un Untitled Goose Game. Parce qu'en plus il est sur l'Epic Game Store, mec. Donc il faut que je relance l'Epic Game Store et puis ça se trouve je vais pas avoir le mot de passe. Et puis il va falloir retrouver un mot de passe, enfin ça va me casser les couilles, tant pis. Hein. Bon, du coup je reviens dans quelques minutes, les gars, gros bisous, à tout de suite.